Bonsoir ton tube. Bonsoir ton tube. Bonsoir. Fais une quête ton tube. Ça s'appelle l'aventure commence ou je sais pas quoi. Ça s'appelle comment notre quête actuelle? L'aventure ne se termine pas ici. Un sauvetage risqué. Voilà. On est donc à Golden Sands. Où l'ambiance est ouf. Ouh, méga tough. Bon, on a un peu looté sur la route. Et personne décharge les caisses, c'est ça le projet? Ok, d'accord. Regarde YouTube, je vais encore faire les choses les plus intéressantes de l'épisode. Je vais ranger des trucs. C'est mon cadeau YouTube. Mais si je le fais pas, en fait, les adolescents, ils le feront pas. C'est ça le problème. Pour les vrais joueurs de CFT, je crois qu'ils me détestent parce que je crois qu'on peut faire ça. Voilà. Octaïa, ouest, sud-ouest léger. Voilà. C'est nouveau. On refait la forteresse qu'on a faite tout à l'heure. Je savais qu'elle était à l'ouest, mais je savais plus exactement. C'était ouest tout ou alors un peu sud-ouest. Donc c'est sud. Ouest, sud-ouest. Putain, comment on est des speedrunners. Je sais pas si tu te souviens, mais il faut que tu essayes d'arriver par. Bah, vraiment, quand t'arrives. Bah, par là où on s'était amarré tout à l'heure. Y'a peut-être un truc devant, non? Je sais pas. J'arrive pas à voir. Tu te démerdes. Oui, c'est bon, je l'ai en face. Alors ouais, faut vraiment que je sois en face. Ouais, c'est ça à peu près. Face de la grillasse. Le vent tourne. Et nous tournons avec celui-ci. Qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait de la merde avec la voilure? Ah non, mais j'ai pas fait gaffe. Si t'es nul comme ça, va jouer à Elden Ring. Pardon? Allô? Arrêtez d'être médisant, monsieur. Redresse un petit peu à tribord. Ouais, je vois pas là. Non, mais t'inquiète, on gère pour toi. Ouais, c'est pour ça que je remonte la voile avant. C'est la voile arrière dont il a besoin qu'on lui remonte, voilà. Il voit assez là. Tu vois assez là? Oui, c'est bon, c'est bon. Fini de casser les couilles, oui. Supportable, hein. Je me casse de ce navire, hein. J'ai pas le cul, hein. Oui, on nous tire des... Des boulets spectraux? Oh non, des abordeurs. Et quoi? Des personnes qui vont nous aborder. On vous tire des gens? Ouais. C'est rigolo ça? Des spectres. Je suis sûr que YouTube voudrait voir ça. Bah ouais, bah si t'étais resté là sur le bateau, t'aurais vu. Bah ouais, mais j'aurais montré quelque chose d'intéressant à YouTube quoi. Un peu comme le début de la quête, mais que t'as pas voulu lui montrer à YouTube en fait. Donc je serais toi, je la ramènerai pas trop en fait. Ta mine. En fait. En fait, du coup. En fait. Du coup. Du coup, en fait. Quoi? Je suis plein. Allez, vas-y, viens, on va se battre. Allez, souhait! Ouais, merci, YouTube, c'est gentil à toi. Ah, y'a le joli fantôme là. Ah, j'ai trouvé un crâne qui brille. Je le ramène, hein. Je viens à la nage. Soyez cool, les squelettes. Oh, en attendant, il va tout rater, là. Mais... Non, non, mais YouTube voit la déco. YouTube trouve ça assez ouf, hein. N'est-ce pas YouTube? YouTube a répondu que oui, il trouve ça complètement ouf. Il a raison. Parce qu'on en dit ce qu'on veut de mon gameplay.
Mais le point de vue que je vous offre est joli. Clé de la cellule. Bah du coup on va t'attendre Knarfang, hein. Comme ça on va éviter d'avancer trop vite. De toute façon il faut que vous tabassiez des gens, non? Bah ouais. Je croyais que YouTube aimait ça, la violence. Et que vu qu'on va trop vite pour ton tube, hein, autant t'attendre. YouTube me dit de vous dire d'aller vous faire enculer. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, il y a du poisson. Dans le tonneau, il y a du poisson. Voilà. Je dis oui fort. Je le clame, je le réclame, et j'en réclame. Je m'esclave. Par contre, je sais pas ce qui se passe en termes de requins. Mais pour moi, je devrais être mort plus longtemps. Hein. Parce que là, j'arrive vers le bateau. Avec mon crâne à la main. Pourquoi pas, hein. Non, mais il est important que je vous rappelle que votre capitaine est toujours capable de faire des trucs stupides et improbables régulièrement. Ah, ça, tu peux nous le rappeler tout le temps. Ah. Mais il fait des trucs stupides qui valent 1300 pièces d'or quand même. Bon, ça va. Mais arrête avec ton grappin! Laisse-moi faire. Tournez surtout pas le navire. Ah, je viens de me faire croquer une première fois par un requin. Je vais donc pas tarder à mourir. Si seulement quelqu'un avait tourné le navire prêt à combattre et prêt à me récupérer. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il faudrait faire que je compte sur vous. Je vais donc mourir juste avant d'atteindre l'échelle. Si jamais vous pouvez récupérer le crâne, à la limite. On est en train de te sécuriser la moitié de l'île, donc t'as juste à prendre la clé. Non mais il va mourir. Non, je suis par requin. Je suis. C'est moi qui prends le coup, t'inquiète, c'est bon. Ah, n'hésite pas à le goumer quand même et à récupérer le bon steakos. Oui, bien sûr, c'est fait. Il est boumé et steakos. Excellent. Voilà. Je vous ai quand même ramené deux vers de terre dans cette histoire. Ouais, manger un petit peu parce qu'on n'est pas frais. Moi non plus. En tout cas, l'île est stylée, enfin le fort est stylé, hein. Vraiment, ils ont donné ce coup-ci un vrai côté fort 18ème. Putain, c'est cool. Commentaire de... Quoi ? Commentaire historique. Pardon. Commentaire historique. Vous êtes en train de te foutre de ma gueule, peut-être. Ouais. D'accord. D'accord. Parce que c'est pas vrai, c'est ça ? Je me suis gouré, c'est pas 18ème, c'est 17ème. Ça, non, c'est bon. C'est juste pour te foutre de la gueule des gens, gratos. Oui, c'est juste gratos en fait. Donc, c'est Knarfang, viens voir par là. Le mec est toujours d'une lourdeur historique, j'ai envie de dire. Oui, c'est le cas. Couvercle ? Je peux utiliser un couvercle ? Je ferme une boîte. D'accord, je réouvre une boîte. Qu'est-ce qu'il faut que je vois ? Dis-moi. Ça y est, des fruits. Les ennemis. Il est où ? Il est passé où, monsieur ? Si jamais vous voyez un pardi, dites-le moi à YouTube. Il est pas loin, promis. Aïe, à l'aide, au secours, qui vient. C'est bon, je l'ai trouvé. Je suis en train de le réanimer. Je te réanime. Non, couvre-moi. J'ai pas réussi à te réanimer parce qu'il y a un monsieur qui m'a batté. Il y a un mec qui avait l'air aussi vivant que toi qui m'a batté. C'est bon, j'ai vaincu le traître. Tiens, bah viens voir ici là. Mais regarde, ramasse pas toutes les munitions. T'as une clé là. Où ça? Ah oui, la clé de la cellule, exact. Voilà, maintenant faut qu'on trouve la cellule. Oula. Mais avant, faut qu'on se bastonne. La bonne bagarre. Vous connaissez la bonne auberge? Mais ils ont pas encore l'émission La bonne bagarre. Mais c'est prévu, hein, sur un ring, tout ça, des morts, de la violence et du son. Donc après, on peut se balader si tu veux, hein, la recherche de la cellule. Ah, va falloir. Bah elle est là, tu descends de l'étage, elle est là en bas. Il y a même des petits endroits à découvrir, comme tu viens de le découvrir toi-même. Je suis en train de me dire que là, 100%, il y a des loot et des conneries et, oui, et des livres à lire à la con. Oh, bien sûr. Si cher. Oui, il y a des coutils aussi là. Des petits items. Oui, des coutils, on peut sauter dans l'eau. Ça se passe des choses par là. Pour aller
Ok. On va tout suivre, enfin, l'étage suivant. Attends, je fais un tour pour ton tube, hein, au cas où il y aurait des trucs secrets, des livres, machin à trouver. Par exemple, une porte, deux portes à ouvrir, regarde. Oh, il y a du pognon ici. Pognon, pognon. Regarde sur la table, il y a du pognon aussi. Sur la table. Bon, okay. Pas de pognon sur celle-là. Non, non, mais sur l'autre table. Ok, attends. Ouais. Je suis en train de négocier avec le personnel de maison actuellement là. Y a rien sur cette table. Pas de pognon. Ah mais du coup je l'ai pris. Ah d'accord, super. Désolé de t'avoir dérangé. Ah, je suis un pirate avant tout, hein. Faut de leur traîner. Tu Oh, y a des barils de grog, c'est long. Bah je suis bourré, j'arrive mais. Oh. J'aurais fait quoi de la clé? Et j'avais une clé? C'est bon, j'ai la clé. J'ai ouais, fait ouais, Arthur ouais, là. La clé, ouais. J'arrive. Ça serait pas là où il y aurait la lumière verte par le plus grand des hasards? Tu vois la lumière? Ouvrir la porte de cellule. Bonjour brave Jean. Oh, on peut parler à mon... Ah c'est toute la team La burne d'enchantement. Ah, il y a quelqu'un qui a fait exploser un baril. J'ai trouvé une burne d'enchantement. Alors la burne c'est pour la quête. D'accord. Je parle à toute la team hein. On dit que c'est bon pour vous? Et pour toi? Ok. Donc là, les gars, ils ont pété le geôlier. Donc moi, je me tire avec la burne, c'est ça? Ouais, il faut l'amener sur le bateau. Ok, ok, ok. Je vois le bateau. Je vois la burne. Hop. Mais attends, l'invasion n'est pas finie. C'est pas grave, je ramène déjà la burne. J'en profite, je vide mes poches et comme ça, je peux les remplir sur place. La musique, elle est trop bien. Si. Non! C'est au troisième étage. Troisième étage? Ouais. Donc j'essaie de... What the fuck, c'est un vrai détail. Andrea, tu peux au moins dire bonjour à ton tube. Bonsoir ton tube. On va un peu de pognon les gars. Pognon, pognon, pognon. Alors tu vois, c'est lui qu'on doit tuer pour avoir la clé finale. Tu veux dire le capitaine de la forteresse? Le fameux capitaine. Capitaine, capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Il est mort. Et regarde. La bourse de munitions. La clé de la salle. Ouais. Attendez, je suis sûr qu'il y a un peu de pognon à piquer encore. Parce qu'on est là avant tout pour le pognon, non? Parce que les mecs ils veulent faire croire, ouais, l'histoire, tout ça, bah, c'est un peu comme les MMO, hein. En vrai, t'en as rien à cirer. Nous, tout ce qui nous intéresse ici, c'est le pognon. Et une autre clé de la forteresse. J'ai la clé de la réserve. Alors, la réserve se situe au nord. Enfin, les. Pas au nord. Nord. C'est quoi, le nord. C'est où? Tout en haut. Tout en haut. Tout en haut. Elle est où? C'est où? Là, juste là. C'est où? Je suis tout en haut, y'a pas. Il a menti le en mec. En bas. En bas du tout en haut. Non mais du en bas du tout en haut, non mais l'autre je vais gifler quoi. Elle est où la clé? Mais rends-moi la clé, sale bâtard. Au fond à droite. Mais elle est où la clé? Au fond à droite. Non mais, ah putain il est là. Il va me la rendre la clé. Ah là là, il faudrait pas lui faut absolument céder à tous ses caprices. Alors il regarde, hop. Il y a un trou ici. Ouais. Se débarrasser. On dirait un vagin. Vagin. Ah, des coffres spectraux. De la thune spectrale, les gars. Ça, ça vaut du fric, je reconnais. Il y a une bourse de pognon, là. C'est bon, ça. On aime beaucoup. On aime beaucoup le style. Bon, je vous laisse évacuer le pognon et on a laissé une clé de capitaine quelque part, là. Non? Elle est devenue quoi, cette clé de capitaine débilus, là, que j'ai posée? Elle est là. I don't know, sir. C'est bon, je l'ai. Alors ça, ça va dans un trou, ça. Je reconnais. Maintenant, lequel? Alors ça... Je suis à un endroit, là. Il n'y a pas de porte. Alors du coup, je me déplace. Hein. C'est tout en bas. Là où t'as ouvert... pour la geôle. La geôle, oui. Ok, d'accord.
Je vois. Alors j'ai trouvé de l'eau. Je crois que je suis pas très loin des cellules. Non, okay. Regarde, je descends l'ascenseur pour toi. C'est vraiment un ascenseur ? Ok, un peu bugué hein, parce que ça traverse les tonneaux. Ah ouais, c'est un sans-efforceur. Trop bien. Et c'est censé aller dans ce trou là, je suppose. Pépé les pépé, ce qui est à 1 est à moi, surtout. Ce qui est à moi est à moi. Et quand tu dis que c'est à toi, c'est que c'est forcément à moi. Une chaîne. Cendre des damnés. Oh, c'est rigolo ça. Coffre, mais il faut que la chaîne aille plus vite aussi. Hein. Oui, mais il faut ouvrir des B1. Ah mais ça, Knarfang, il les ouvre. Toi, tu pousses les coffres. Attendez, vous aviez un coffre-boîte un peu plus haut. Vous auriez peut-être pu mettre les crânes dedans. Genre juste à l'étage du dessus, vous avez un coffre-boîte. Allez le faire. Qui est grand ouvert. Tu pourrais faire un effort quand même et les mettre un peu plus loin. Par contre, je... Ouais, non, non, non. J'aimerais juste récupérer ce crâne. Voilà. Ouf. Ouais, désolé, hein, ton tube, hein, t'as pas vu le début de l'histoire, c'est de la faute de Pardy, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Voilà, voilà. Ah ouais, ouais toi qui allais faire la quête tout seul comme un grand. À vous tout, quoi. Non, c'était juste pour avancer, arriver là plus vite, c'est tout. Le début de la quête, il commence là. Sûr. Ce qu'on dira tous quand on fera des arrêts paves. Hein. Parce qu'on croit pas que YouTube est dupe, hein. Ils ont vu ce qu'on avait dans le stockage. Hein. J'ai bien compris que hein, la quête la quête passe après le pognon. D'ailleurs, en parlant de ça, étant donné notre dernier combat, je vais quand même nous refit dans boulet et tout pendant que vous chargez. Parce que j'ai vu qu'il y avait des barils de... truc machin. Ouais, ils sont par 10, hein. Ouais, il y en a pas... Si, non, ouais, il y en a 40 dans les barils, hein. Y a, en gros, il y a potentiellement 80 qui traînent, quoi. Il y en a 50, Knarf. Comment, il y a 50 quoi? Il y a 50 boulettes dans les... Donc t'en as déjà pris 10 dans un, non? Ouais, il y en avait. J'en ai pris 10 dans l'autre, ouais. Donc il y a 100 boulets de canon à récup, donc là encore 80, si jamais. Je suis descendu trop bas, je crois. Vous êtes descendu trop bas. Faut qu'on aille un avant-poste, hein. Non, c'est vrai. Tiens, prends ça. Prends ça. Non, tu peux prendre ça. Et puis maintenant, tu peux prendre ça. Avec toi ? Ouais, vas-y. Voilà. Est-ce qu'on commence à avoir... commence à se balader avec un peu de fric quand même, là. Y'a moyen. Même le pognon. Ouais, mais là, si on se fait couler... On l'a mauvaise, hein. J'annonce... je crois que je rage quitte, hein. Parce que, surtout si Arthur rigole, là, je te préviens, ça tourne mal. Hein. Ah oui? Ah ouais. C'est toi, quand t'es nerveux, tu rigoles. Et ça a le don de m'énerver encore plus. Alors que, enfin, de m'énerver tout court, parce que je suis évidemment quelqu'un de paix, de tranquillité, fait d'amour, oui, évidemment. Ouais. Tout le temps. Enfin, toujours. C'est bon, on peut se nachave? Il faudrait qu'on trouve une clé cendrée. Ouais. Je peux rentrer dans le canon? Ah ouais. Bon bah... je vais peut-être tirer un peu loin. Alors on va en avant-poste alors? Non, voilà. Bah ça serait bien quand même, ouais. Ouais... Vous auriez pu quand même aller chercher quelques boulets de canon dans votre lancée. Mais oui, là il faut aller à Sanctuary. C'est plus proche, je crois. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est le plus proche.
Hop, voici quelques boulettes de plus. Quelques plans de chasse de plus. Ah oui, non, mais on est quand même pas si mal que ça. Mais il y a un coffre qui se... Enfin, il y a une tête de mort qui se balade à côté de Sanctuary. What? Comment ça? Il y a quelqu'un sur la carte qui est vénère? Bah ouais. Ah, bah donc on peut pas y aller. Donc Ah, est-ce qu'on pourrait aller? T'as un itinéraire bis à proposer? Bah, Plunder. Ah ouais. Mais sinon, on regarde ce qu'il y a à côté du prochain. On bah, change de région. On change de région. Donc là, on est des ouf. Là, on est au nord. Attends, c'est... parce qu'en fait, il faut qu'on fasse une région de un fort par région. Donc. Bah là, on est à la région. On est à la région de l'ouest. Là, faut qu'on aille faire le sud avec forteresse. Enfin, le sud-ouest. Parce que là, peut-être aller faire l'est aussi côté Galleon's Grave, il y a peut-être un truc. Après je sais pas. Hein. Ouais, c'est région de l'est. Référez-vous à la pêche. Ouais ouais. Après j'ai presque envie de dire suivez le vent, hein, ce qui vous arrange aussi le plus. Parce que dans tous les cas on est parti pour aller loin. Donc voilà. Vas-y, va cap sud-sud-est. Ouais, sud-sud-est. Allez-vous? Bonsoir. 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 Ah, ça va et toi? Ah, dis bonsoir à ton tube. Oh, c'est quoi ça? Il y a du loot. Et du loot de quoi? De l'or. C'est un requin, ça, non? De l'or. Ah non, c'est un navire squelette, ça. De l'or ou du rhum. Arthur, redresse, hein. Ah, mais je vois pas, je suis désolé avec le... Tribord. Droite, si t'es trop nul. Non, mais c'est juste que je vois pas. L'autre droite, si jamais t'es vraiment trop nul. Vraiment, ça devient critique. Ça, c'est un trou. Ouais, et ça, c'est un trou. Ouais, j'y vais. Non, je serai pas. Je serai pas, vas-y. Est-ce que tu veux que je prenne la barre, Arthur? Trous, là. J'ai déjà deux trous. Donc, comme ça, au moins, tu n'auras pas à te critiquer. Tu feras attention, pour voir, il y a le fort. Ouais. Il y a un fort tout droit. On pique dans quelle direction, là? Sud-sud-est. Ah, donc contre-vent, c'est ton deal? Bah, parce que si on part là plein nord, après on peut essayer d'y aller à l'avant-poste. Hein. Non, mais c'est pas la question, c'est que t'as normalement deux choix. T'as le choix entre partir à l'est ou partir plein sud. Grosso et merdo. Bah, c'est partir plus à l'est, tu vois, mais. Bah, donc ce sera full vent de face. Ouais, enfin, je vais pas rester est tout le long non plus, tu vois, je vais rester un peu comme là. Parce que de toute façon, faut qu'on aille à Golden Sand. Déposer le truc, il y a un truc qu'on doit déposer à Golden Sand. Ah, donc on va à Golden, ok. Du coup, je vais vous laisser errer dans l'âge de la piraterie. Ça. Attention. Bisous. Bon rhum. J'adore avoir des musiques et rien voir. Bah, il se passe rien. Il se passe entre R et que dalle. Donc, je vais essayer de créer un instant. Ah, il y en a un d'entre vous qui a croqué un petit bout de poisson. Bah alors.
On s'est laissé tenter par le pouvoir de l'argent. On a mangé de l'or. Il y a un baril à bâbord. Il n'est plus là le baril à bâbord. Allez, vas-y, on va sanctuariser. Hein. Mais on peut pas aller à sanctuariser, mais... Ah non, mais c'est non, ça ton truc. Mais c'est pas un crâne. Mais putain, je vais soulever. Je t'ai dit, il y a une tête de mort. Non, mais quand tu me dis une tête de mort, moi, je pense que c'est un joueur avec un drapeau rouge. Bah non, sinon je te le dirais. Drapeau rouge, tête de mort, tu vois, il y a une différence. Allô. C'est toi la tête de mort. J'ai une tête de mort. Les merci. Coupons, moi je vais vous laisser, je vais y aller. Et bah, dis au revoir à ton tube. Ah, excellent. On va des bisous, va jouer à Elden Ring là. Putain, vraiment ce jeu de merde. Sans quand t'as des potes, tu joues pas à Elden Ring. Le meilleur poste, c'est toujours au sud-est. D'ailleurs, je suis en train de me dire, finalement, Sea of Thieves, est-ce que c'est pas le jeu des vrais potes ? Que je fais avec vous ? Parce que, faut quand même partir sur des mecs relativement solides. Quand tu pars pour jouer à un jeu pendant des heures pour potentiellement te faire éclater en deux frames, et tout paumer, et dans tous les cas, tout recommencer à chaque fois au début, pour des pièces d'or. Donc pour acheter du skin, est-ce que finalement les gens avec qui tu joues, c'est pas un peu tes meilleurs potes, je veux dire. Enfin les mecs récurrents avec qui tu joues. Ouais, ça se tient. Parce que c'est un jeu avec des grosses phases d'emmerde, des phases de combat extrêmement brutales et qui te déboîtent. Ça te détruit une amitié ou ça te forge une amitié, mais... Bah nous d'ailleurs, enfin on s'est connus sur Sea of Thieves d'ailleurs. Non! Si! Si, si, avec Shinai. Mais c'était même avant qu'on joue à Sea of Thieves. Après, le premier jeu qu'on a joué ensemble, ouais, c'est Sea of Thieves. Mais oui. Oui, globalement, on peut dire qu'effectivement, c'est connu sur SOT. Donc, oui, ça peut forger une amitié. Ça peut forger une amitié. C'est pas mon ami YouTube, l'écoute pas. C'est juste mon mec. Par contre, on est d'accord que celui-là, c'est personne. Parfait. C'est pas l'île à ta gauche là ? Si si si, mais c'est pour ça que je voudrais remonter okay. Un peu de voile avant s'il vous plaît. Ouais, t'as encore un peu de temps parce que le quai est à ta droite hein. Ouais mais il arrive vite hein. Ouais. T'es demi-voile arrière. On a réagi si vite, il était pas prêt. Mais par contre vous avez laissé un demi-bout de poisson vraiment. Demi-bout de serpent, ça me dégoûte. Mais non ouais, c'est moi qui ai croqué dedans. Comme d'hab hein, mais je sais. Comment ça, comme d'hab Toujours toi, dès que tu vois un trou, tu peux pas t'empêcher de le croquer. Pourquoi bizarrement t'as croqué genre juste le serpent, évidemment. Il a vu un trou. Parce que j'avais la dalle et le premier truc qui est sorti. Non, mais j'ai cru que c'était un donut. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, on fait la chaîne, hein. On sort tous les coffres d'abord et ensuite on va tous les amener un par un.
Ouais, c'est ça, faites la chaîne de l'amitié. Et tu vas venir nous aider, toi, tu crois quoi? Bah, je suis en train de cuire du poisson. Bah, tu... Donc moi, je vous connais pas, en fait. Ouais, vous êtes sérieux, tous les deux, là? Après, l'autre, je sais pas s'il pêche quelque chose d'intéressant, mais... Bah, il y a une... Ah oui. Quoi, ouais. Non, mais le temps que t'arrives, j'aurais fini mon poisson. Tant que t'arrives, j'aurais même fini toute la cuisson de tous les poissons. Non, t'inquiète. L'échelle, elle est où déjà? Elle est ici. Ok. C'est bon, on est stationné? Ouais, dans quelques instants. Ok. Je vous mets la bure d'enchantement sur le pont. Ça sert à rien. Elle sert à rien? Non, elle va la donner à Golden Sands. Ok. Bon, bah, je la remets en bas. Je dis qu'elle sert à rien. Non, ce qui est important là maintenant tout de suite, c'est les coffres-boîtes. Ça, c'est que les requises. Les coffres-boîtes, parce qu'il faut aller les vider. Et oh putain, tu m'as mis loin. Hop là. Excellent. Je mets ça ici. Hop. Parce que il faut me les ramener pour que je vous les re-remplisse. Ah merde. Hop. Effectivement. Bon, ça du coup je les vends parce que ça se vend juste là. Moi je sors toutes les caisses d'épices, je vends toutes les caisses d'épices. Hein. Ouais, tout ce qui est marchand. Vu que c'est juste ici là. Ça, on les vend où? Les tomes de résurrection, les machins. Pas l'homme mystérieux, je crois, la fille qui est juste devant la taverne, du coup, parce que c'est celle qui remplace Duke. Ah, ça c'est une caisse de stockage. Ouais, t'as pris une caisse de stockage. Il demandait bien à qui tu voulais vendre ça. Caisse de soie ici. Je vais aller avant direct. Les coffres boîtes, ils sont vides? Il y en a un qui est vide. Du coup, bah moi je vais rapprocher le bateau parce que casse les couilles. Hop. Alors le coffre boîte cendré, il est à base de crâne à vendre à la meuf des crânes. D'ailleurs l'autre coffre boîte aussi classique est à vendre à la meuf des crânes. Tu sais quoi, je crois que je vais venir te filer un coup de main parce qu'en fait ça commence à faire des boîtes. Ah, c'est un pavillon Athéna qu'on a? Oui. Ah mince. Putain, pourquoi il avance encore le bateau là? Parce qu'il a de l'élan. Bah non, je viens de lever l'ancre. T'as mal fermé une voile. Bah non, justement. T'es sûr que la voile arrière elle est bien remontée? Ouais, bah oui. Peut-être l'inertie. Je fais demi-tour. Bah non, je viens tout juste de lever l'ancre. Ok.
Le coffre boîte que je te ramène, donc qui est fermé, c'est toujours des crânes pour la meuf des crânes. Okay. Bon, bah, de toute façon, en vrai, vu tout ce qu'il y a, tant que je te dis pas le contraire, c'est tout va chez la meuf des crânes. Okay. Pour l'instant. Parce qu'on a quand même pas mal de crânes, c'est vrai. J'arrive, ça vient de sonner chez moi là. Dream. Non, ça c'est un rituel là. J'ai encore dépassé le quai, insupportable. Hop, donc la même. Insupportable! Au secours! Merci trop. Et on devrait mettre un autre pavillon pour être rentable. Pour être rentable. Oui, parce qu'en fait là on vend rien à Athéna. Bah disons que là tu fais des bornes Athéna, c'est ce que tu fais actuellement. Et encore je sais même pas ce t'en fais parce qu'on a pas de quête Athéna qui tourne. Mais on aurait pu mettre une quête Athéna qui tourne. Ah non, on aurait pu rien mettre. On fait l'aventure. Bah au lieu de continuer à vendre dans ces cas là on met autre chose hein. Au lieu de continuer à vendre. C'est pas quand on a tout vendu qu'il faut commencer à le dire en fait. Non parce qu'en fait le principe même du bordel c'est que quand tu ramasses et que quand tu mets sur ton bateau des trésors qui sont affiliés le syndicat. Le pavillon de l'entreprise. L'un des coffres que vous avez ramassé est un coffre qui est des crânes pour celui qui contient le caillou rouge. Ce sont des trucs pour l'homme mystère là. Je crois pas que ça va à la meuf des crânes. Je crois que ça va à l'homme mystère. Je suis pas sûr. Ou à la fille devant l'auberge. Et du coup, en fait, quand tu vends, ça augmente pas le niveau. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que, au lieu de râler avec du délai, fallait râler plus tôt. Je te râle pas avec du délai, mon grand. Bah, enfin, d'intervenir, excuse-moi, avec du délai. Je suis français, pour moi, ça veut dire râler, c'est pareil. Dans ces cas-là, il faut le faire maintenant. Arrêtez de vendre. Changez de drapeau maintenant. Et ça. Non? Oui, ça se tait. En fait, c'est juste que ça va rien changer, on n'aura pas de niveau, du coup on n'aura pas de multiplicateur. Oui, c'est ça en fait, c'est que ça ne changerait parce qu'on n'a pas de quête, c'est ça que tu veux dire. Affilié. Parce que normalement, tant que tu vends des crânes aux crânes machin, si t'as pas de quête machin, normalement tu fais rien. Tu gagnes rien, sauf erreur de ma part. Si, en fait. C'est juste que quand tu ramasses un nouvel objet qui est en rapport avec ton pavillon, tu gagnes masse d'XP sur l'XP de pavillon. Et du coup, comme ça, tu montes de niveau et du coup, tu gagnes. Ouais, mais sauf que chaque vente aussi te fait monter ton pavillon. Pardon ? Chaque vente aussi te fait monter ton pavillon. Mais. Si, chaque vente, genre des trésors, là, si on mettait le mec des trésors, te fait monter ton pavillon. Si, je te confirme. Hein. Donc c'est pour ça que là, au lieu de vendre, on va changer pour mettre des coffres par exemple, actuellement, ce serait judicieux. On n'a pas encore tout vendu, sauf que tant que vous réfléchissez, on aura tout du vendu. Il faut faire le vote, pardon. Bah Pardy va voter, on n'a pas besoin d'être trois à aller voter. Si Pardy est là, évidemment. Si Pardy nous entend, parce que c'est même pas dit. Non, elle a dit qu'il revient. Bon bah j'arrive. Il continue à vendre comme un débile, c'est ça? Ouais. Non, c'est bon, il a entendu. Il répond pas, mais il l'a fait. Mais ça l'a pas empêché de vendre comme un con son coffre avant. Du coup, on fait. Quand même très inquiétant. Bah, vous vendez bah, le marchand d'or, parce qu'il y a plus que lui. Il y a plus que lui, là en fait, c'est ces trucs à lui qu'on vend, là. Il a vendu tout le reste. Et Pardy, il a quand même vendu un coffre avant, parce qu'vraiment, il est con jusqu'au bout. C'est incroyable. Ça, je crois que ça vaut des doublons, ça, si je dis pas de bêtises. Ça vaut plus que de l'or. Ah, bah si, on faisait quand même quelque chose. On faisait quand même des kilomètres pour Athéna. Je viens de gagner un peu de trucs d'Athéna. Okay. On faisait des kilomètres en Athéna. Autant pour moi. Ah, c'est 5 doublons. C'est 5 doublons, donc on va vendre tous les coffres cendrés.
Vide. Évidemment. Ça vaut des doublons. Ouais, parce qu'il y en a, il faut qu'on trouve sa petite clé. Bon, après, on peut le vendre comme ça. C'est juste qu'il est vendu un peu plus cher que juste un coffre de base, mais par contre, moins que si tu l'as ouvert. Ah, si on continue à jouer, autant on le garde. Si on peut, je suis d'accord. Clé, hein. Il reste des trucs toujours à vendre à bord. Ouais. Le véhicule. Truc de collectionneur d'un coup. On a un baril de poudre aussi, je crois, là-dessus qu'on n'a pas vendu. Ah oui, oui, c'est vrai, sur le main. Ouais, je vais peut-être m'occuper de ça, ouais. Maintenant que j'y pense. Tiens, un galion squelette droit devant. Il y en a un entre nous qui a de l'argent. C'est pas si drôle. Bah, on a tout vendu. Ça va pas sur la tablette, ça. Là, je préfère. Ok. Sortir le seul animal qui est utile au monde. Hop là. Hop là, et le petit coffre. Voilà. Voilà pour le premier fort, on est bon. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce que vous voulez repartir sur... sur un autre drapeau? Libre à vous. On peut faire les vendeurs d'âmes, enfin pas les vendeurs d'âmes, les... L'ordre des âmes. Ouais, l'ordre des âmes. Moi, ce dont vous avez besoin, moi je m'en fous, je suis déjà une légende. Parce qu'il y avait quand même pas mal de crânes. Ah, il y a surtout pas mal de crânes et pas mal de coffres, donc... Ouais. Bon, après on peut et le garder, hein. C'est vous qui voyez, moi je suis pas concerné. Pardon, on le garde. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe ou que se passe-t-il sur ce bateau? Rien du tout? Donc je suis en train de pêcher. Ouais, donc rien du tout, c'est ce que je disais. Loin la ligne. Pour la lancer loin, il faut la maintenir un peu. Et voilà. Toujours. Je remonte. Oh, il a fait pêcher de la merde. J'ai vu de la merde. Hein. Voyage en contrevent, quel plaisir. Petite queue indigo là que j'ai vu passer. Par contre, tu devrais pas t'amuser à ça. Ça. T'as bien compris. T'as bien compris à qui je parlais. Ah. Tu devrais pas t'amuser à ça.
On peut pêcher quelque chose dans cet océan de ces morts ou c'est comment? C'est bon, on se fait pas le galion? Non, bah peut-être pas parce qu'on est. C'est pas l'objectif réel en fait. Après, sauf si vous y tenez vraiment, moi ça me dérange pas. Hein. Ah bah j'ai gagné 10 doublons. Bon bah voilà. C'était bien. Hop là. Ça, c'est un super pilote qui ignore ses pêcheurs. Incroyable. Heureusement qu'on n'avait rien au bout de la ligne. Vous voyez qu'il est dans un niveau de mépris et de condescendance. Tel que YouTube pense qu'il ne se passe rien dans cette vidéo. Vite, faut que j'aille dépasser des planches, des fruits, histoire que YouTube pense qu'il se passe quelque chose. Oh, et en plus tout le monde m'a abandonné. Allô Arthur ? Lui aussi il est barré. Tout le monde est barré. C'est les vrais potes, hein. Sinon, vous avez noté qu'il y avait un sloop à bord ? Moi, du coup, je suis tribord en train de pêcher, donc j'ai pas. Bah, il y a un sloop à bord, si jamais. Il est loin, voiles sont rentrées, il a la cool. Il a fini de gigoter dans tous les sens, celui-là. Et bienvenue au North Star Sea Post. Dude. Et voilà monsieur. Je te dépose un peu de cuisson. Et prenez la caisse pour les transporter. Je veux voir le prix de chacun. Je veux voir ce qui régale monsieur. Bien sûr. Genre le petit poisson diable de lave. Il paye ses 565 dans le plus grand des cas. La défaillante Mordorée trophée 850. Maintenant, ton poisson, le naufrageur de rose trophée. Oh, 1410. Hein. C'est vrai que ça vaut le coup de s'arrêter à côté d'une épave et de pêcher tranquillement. Écaille ancienne de saphir trophée 1125. T'as l'air quand même. Non. Et le tempête de mer sauvage trophée. De l'argent, s'il vous plaît. Oh, de l'or. De grâce. Wow. 1690. Putain, c'est vraiment celui qui paye le moins bien. Hein. C'est horrible. Mais celui-là, je suppose que c'était un poisson trouvé. De toute façon, c'était même pas un pêché.
Et je suppose que t'as embarqué en caisse tout le reste, c'est ça? Ouais. Même ceux qui ne sont pas cuits. Mais non, faut les cuire. Faut les cuire. Faut les cuire. Sinon, on va faire moins d'argent. We need money. Bah oui. On n'a pas trop besoin de réputation de pêche. On a besoin de plus d'argent. Petite saleté, je me suis fait croquer mon truc. Voilà. Là on sent les ventes de cochons et de serpents à 45 balles pièce. Des cuisses de poulet. Qui en vrai paye très très bien. Ça a l'air de rien. Mais c'est tellement facile à récupérer que... Et le pire, c'est qu'en plus nous on insiste pas, même pas, mais en soi tu prends que des grenades qui crament là, tu vois un pactole de poulet, hop, tu la lances dedans, terminé, c'est bon, tu récupères 5 morceaux de poulet cuit. Y'a rien d'autre à faire. Bon. Tu récupères 5 fois 45 balles, t'es bien. Ben on peut bouger dès que vous le souhaitez, bien sûr. Dès que notre pilote a terminé de se la toucher. En partie va nous dire au secours s'il lui arrive. Il est où ce con? S'il lui arrive. Il est con ou c'est comment? Il y a des gens qui lui ont roulé dessus à la naissance ou c'est comment? Ah parce que vous m'entendiez pas depuis tout à l'heure. Ah non, t'entends pas depuis tout à l'heure. Ah bah yes. Nice, salut. Ce sera gentil de pas péter ma ligne. Merci. C'est quoi le problème sinon? J'ai couillé. Bah, Rome, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on retape au nord. Au nord-est. Pourquoi? Bah, pour aller à une. Soit on tape au nord-est, soit on tape au sud. Oh putain, je suis trop con. Ouais, bah, il y en a deux. Il y en a deux au sud. Et elles sont. Celles au sud, elles sont moins espacées que celles au nord. Comme tu le sens, mec, c'est toi le pilote, c'est toi qui as le vent, c'est toi qui vois. Ah, mais le vent, du coup, j'ai pas vu par où il passait. Par où il partait. Il est vers le nord. Mauvais sens pour tourner, j'ai une nageoire d'abondance. Ouais, vas-y. Il va vers le nord? Ou il va vers le sud? Non, il va vers le nord-ouest. Oh bon, allez, vas-y, on va se taper un petit nord, on va aller à celui du nord. Ah ouais, faut pas te... C'est bon, là, il est au pied du truc, tout va bien. Il est déjà pêché. Okay. Vous pouvez négocier tout ce que vous avez à négocier. Merci pour celui qui me l'a pris. Un petit nord, c'est ça?
Ouais, ça n'a... Attends, je te redis ça tout de suite. Nord-est. Ah, mais je suis pas, c'est le vent de face. Ah, du coup, non, il va vers le sud. Le vent. Bah, du coup, c'est sud. Vas-y, sud-est, hein, si tu veux. Sud-est, sud-ouest. Ah, mais là, on va traverser toute la carte, quoi. Sinon, on peut prendre un petit vent nord, hein, tant pis, hein. C'est à côté, parce que s'il faut qu'on les fasse tous, hein, autant qu'on fasse celui qui est à côté maintenant, parce que sinon il faudra quand même venir non, le faire. Non, on va pas les faire tous, on doit en faire un par... on doit en faire un par région, ah oui. Région. Donc celui du nord ne sert à rien, parce que théoriquement, théoriquement on a déjà fait celui de la région. Ah non, attends, Marauders Arch c'est une autre... c'est une autre région. 1, 2, 3... Et la quatrième ouais, c'est des Viserans ou c'est la cinquième? Bon du coup, je reviens, je vais me faire un café. Dans la tasse de pirate. Pirate. Il est joli l'autre sur le côté. Il y a une caisse cendrée là. Il y a beaucoup de navires squelettes qui naviguent. Hein. Je vois pas en fait ce qu'il y a en face. Alors remonte-toi une voile parce que là je peux pas t'aider. Étant donné que l'autre monsieur est parti se faire un café. Ou lâche ta barre et va checker un coup d'œil. Rien avec cette barre. Elle gêne vachement la vie. Oh ah, putain, je me l'ai croqué. Faudra modifier la barre dans ces cas-là au prochain pas. Y a pas un fort là sur le côté? Ah non, oui, il est vraiment tout en bas quoi. Ok. C'est un peu plus ouest si jamais c'est ça. Question. Peut-être. C'est sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Ouais. Parce que c'est les forteresses, c'est pas les forts. Ouais, c'est une forteresse que vous avez. Enfin, moi, c'est ce truc qui est entouré sur la carte. Hein. Je. Ouais, bien sûr, je vois ça. Parce que je suis premier des fois à confondre fort forteresse pour ça. D'accord, c'est encore au vert de terre ici. Non. C'est à la sangsue. On est dans les anciennes îles. Et si jamais tu veux pêcher, tu me dis parce que j'ai tout pris sur moi.
Non, bah vas-y, je vais cuire. Oh, la déception d'un homme. Si tu me dis, si tu veux que je te laisse pêcher, hein. C'est toi qui as des trucs de pêcheur à faire, hein, pas moi. Bah, je cuire, c'est pour ça que je voulais, pour ça que je voulais pêcher, moi. C'est ça que je te dis, si tu veux, je te lâche des trucs. Attends juste. Genre 4 secondes. Là. Genre 4 secondes. T'arrives à attendre 4 secondes? Non, c'est trop long. Ah, c'est dommage. Je te mets ça dans le barrel. Hop, c'est dans le barrel. Là, je vais cuire tout le reste. Vas-y. Bon, y a pas grand chose à cuire. Oh, j'ai plus sur moi ce qu'il y avait à cuire. TKT. Va pêcher. Régale-toi. Bon, heureusement on trace, hein. Avec le vent dans le dos, c'est mieux, hein. Ouais. Oh. C'est le truc qui est en face de nous, hein. Oui, je sais. Alors du coup, attends, on arrive fort vite quand même. Oh non, on est encore loin, tu peux laisser la... t'inquiète, t'inquiète. Ok. On se fait aborder. Piou. Ah mais continue sur ta direction où t'étais, hein. Non mais c'est bon. C'est juste que le vent qui ou la mer qui nous comment dire. Oh, fonce pas dessus, frérot, fonce pas dessus. Si c'est bon. Bon, c'est bon, on a tout rentré. Non, mais voilà. Au pire, on colle le navire, c'est bien. Ouais, là, on tourne le navire, comme ça, on peut grappiner. On peut grappiner, nous, avec Knarfang, on va s'occuper des squelettes. Faut qu'on aille tabasser directement leur capitaine, là, que je vois. Non, il faut faire les vagues. Faut faire quoi? Faire les vagues, d'abord. Ça, non, là, il y a je suis tombé sur leur capitaine direct. J'ai un gars là, Knarfang. Avec y a un. Il y a le geôlier. Un nom rouge. Bah, j'ai le geôlier fantôme. C'est leur capitaine là. Ah non, c'est le geôlier. C'est le geôlier d'abord. Le capitaine, c'est pour le fort. Par contre, faut que j'aille me choper un fric, ça. Ça va pas bien. Mais tiens, il y a un coffre. Ouais. Il y a un truc dedans ou pas? GG, il a eu, c'est bon, j'ai sa clé. Descends direct en bas. Tac tac tac. Vas-y, hein, vas-y, je t'en garde du corps. Faut parler aussi au. Au Penge. Ouais. Ok. Je vais me causer à Tina. Tu m'excuseras YouTube, hein, va falloir être un champion de... Ah, c'est verrouillé au bout. Hop 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 hop. Derrière toi, derrière toi. Hop hop hop. Hop hop. Hop.
Ok, c'est bon, j'ai ramené la boîte sur le bateau. D'ailleurs, je vais la mettre là. Mais. Bon, ton race, hein. Tant qu'à faire, je vais déposer les frics. Bon, si je meurs, c'est pas trop grave. Un peu de thunes. Petite pause. Je trouvais la clé de la réserve. Nickel. Je vais let's go déverrouiller la réserve tout de suite. Jaja. Ah, j'ai trouvé un crâne. Oh là, il y a du peuple par ici. Ok, la réserve est ouverte. Je vais descendre les coffres d'un étage. Saphir de sirène. Petite niveau d'artifice. C'est tout. Réserve de clodo. Oula. C'était poli, monsieur. Et s'il vous plaît, je prends un baril, merci. Et je fais descendre un baril. Même l'argent. Caché où leur capitaine? Vague suivante. Les gars, c'est votre capitaine qu'on veut. C'était pas une serveur comme tout.
C'est bon, il est là. Pour les stations. Pour les stations policières. Je t'ai fait CRS. Ça, le trésor. C'est en bas, ça. Ouais. Un peu de pognon. Je mets ça ici. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? On n'avait pas un coffre-boîte pour les crânes? Si, je crois, si. Faudra le ramener vers la cellule. Il a oublié un tas de pognon, au secours. Il a vraiment fait ça. Ah, c'est bon. Ah oui, mais il est déjà plein. C'est déjà plein. Hey, j'ai trouvé le calice. D'accord. C'est Oasis. Pas du tout. C'est Oasis de ouf. T'as pas le droit, t'es un mâle 6 blanc hétéro. Pas le droit. Mince, j'en veux pas. Ouais, ça je veux. Il nous en faudra un coffre-boîte. Ah, excellent. Non, pas excellent du tout. Il nous en faudra un coffre-boîte. Je pense qu'il y en a qui peut commencer à harponner. Hein. Ouais, t'inquiète, je vais tourner le bateau. Ouais, normalement, tu peux. Tu n'as pas besoin de tourner plus. J'ai bougé tous les coffres pour qu'ils soient attrapables. J'ai de la place pour des planches. Oh, on vient de passer niveau 3 direct. Ouais. Toutes les boîtes ont été ouvertes. Il y a Arthur qu'on a profité pour dépouiller les lieux pendant qu'on se battait. J'aime cette mentalité. Mais avec une caisse de stockage. Vous alliez oublier un coffre. Deux coffres, pardon, et une caisse d'épices. Deux coffres et une caisse d'épices. Ah oui, il en a oublié des trucs, ouais, je vois ça. En train de bon. Parzi, t'as oublié des trucs. C'est vraiment possible que t'aies fait ça. Tu dégoûtes. C'est bon. Ils sont stylés ces petits forts. Hein. Ah, t'as fait tomber un truc. Je le récupère. Essaye d'attraper là. Y a plus de crâne. Qui est crâne? Je sais pas moi. Tu vois un crâne? Ah, c'est la fleur que j'ai essayé de pécho. Ah d'accord. Une rose insupportable, vite. Enlevez-moi ça de sous les yeux. Eh bien, moi, je vous propose de souquer les Artemus. Qu'en pensez-vous? Bah allez, là tu vois, hein, go prochain. Pourquoi vous alliez oublier une caisse de feu d'artifice, un saphir. Ah! Il manque plein de choses. Deux barils. Ah oui, il manque plein de choses quoi. Et tu les avais pas ramassés à l'étage? L'hôtel est sud-est. Attends, faut attendre tuture. Il ramène du loup. Ouais, ouais.
on les a pas mis en bas. Donc on les a oubliés. Cette pièce me déplaît énormément. Qui rend cela. Ton ça ici, admettons. Et ça. Ah, il y a un galion. Enfin, je sais pas si c'est un galion. Non, mais il y a encore une boîte ici. Visage aussi. Oula, oui, le galion il fonce sur nous là. Et c'est un galion quoi? C'est un galion squelette. Squelette, ouais. On va faire une baston avec nos queues. Ah, mais putain, j'arrive. Non, t'arrives pas là. Attends, c'est ce qui me fait l'autre. Le moment où il se barre. Ouais, il nous fonce droit dessus. Bon, à première vue, on est bon pour se taper un galion squelette à chaque fois. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Ça me dérange pas. J'aime l'argent, voyez-vous. En vrai, je pourrais me faire sauter. Sur leur galion avec un baril. Ouais. Si tu veux. Vas-y, si tu s'approches suffisamment près. Reprends un baril et vas-y, régale-toi. Parce que généralement, c'est le truc qui leur fait mal. Hein. J'ai même envie de te dire, si t'as les poches pleines de bouffe, t'as même le temps de poser un baril, l'allumer, courir à l'autre bout du navire, le regarder péter, survivre et continuer à leur pourrir la gueule. Je sais pas si je vais pouvoir. Parce que là, en fait, ils se battent quand même vachement. Ah, pas mal. T'as réussi à les toucher? Ouais. Déjà musique de combat. Et on est plus que deux. Ah, ils ont le feu là. Bon vas-y, on charge les barils. Par contre, la texture spectrale elle me fait tellement mal aux yeux. Bah, c'est bon, je les ai coulés à moi tout seul. Comment ça? T'es parti les couler solo? Bah ouais. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Bon du coup je vais sur la pause, hein, vous voyez mon pseudo, vous venez. Bah venez en bateau hein. Non mais mec, moi je t'ai dit quoi? Pour ça. Je tenais les couler. Bon bah Knarfin, on compte sur toi pour venir en bataille. Bah je tourne. Ah parce que du coup faut que je fasse gaffe, j'ai un baril avec moi. Bah faut que tu fasses gaffe. Tu le gardes en main. Oh les cochons. Il y en a la salope. Ils en ont mis partout. Oh les cochons. Oh ils en ont mis partout. Qu'est-ce qu'on aime ça. Ah il y en a beaucoup. Oh là là. Oh les cochons. Ça, c'est pour l'instant je vois pas Mopsodal donc j'y vais mollo. Attends, je veux te dire le cap. Donc tu vois, direction ouest-nord-ouest. Bon, de toute façon, je pense que c'est à peu près là où il y a les mouettes. Enfin, il y avait des mouettes, elles viennent de disparaître de mon champ de vision. Ah, merde, je me fais attaquer par un requin. Ça, c'est dommage. Tu feras attention, il y a un baril de poudre. Je me demande de faire attention à un truc, mec, j'ai aucune vision. Il y avait des mouettes, elles ont disparu. Bah, pas si je vous viens dessus en fait, je vois pas vos pseudos. Je vous viens dessus ou pas? Ah, c'est bon, je vois Kwisatz. J'essaie de viser quelqu'un, mais ça a l'air compliqué. Putain, au secours, c'est quoi ma team quoi? Une team qui avait pas beaucoup de PV. Merci. On a un stack de quinte. Top. T'es où? Ouais, t'es là, c'est bon. Ouais, je suis déjà à l'arrêt.
J'ai l'énorme truc qu'on appelle un bateau là. Je sais pas si tu vois. Ça. Allume ton écran si jamais. Hein. Ah, désolé. On le prend le baril de poudre ou pas? Bien sûr, on a déjà plein à bord. Prends-en un de plus, hein. Ouais, on sera à 4 ou 5. Oula, voilà. C'est bon, je l'ai eu. C'est trop bas, hein. Je peux pas. Voilà, là c'est bon. Attends, parce qu'il reste une caisse que t'as pas prise. Oula. Hop, il reste plein de trucs que j'ai pas pris, je crois. Ah non, c'est le bâton magique de merde, ça, avec personne. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas. Je vais quand même aller ranger les barils au top, voilà, comme vous êtes, sans urgence. T'en prie, range un peu de mordel, n'hésite pas. Parce qu'il y en a. Mais qui c'est qui range ça comme de la merde, là? Comment ça? En bas, tu veux dire? Ben ouais. Bah, je sais pas, ce qui est avec le marchand est ensemble, ce qui est coffre est ensemble, et j'ai fait des boîtes ouvertes avec des skeux. Parce que là, toi, t'es en train de séparer, hein. Mais tout ça, ça va chez le vendeur de coffres. Hein. Il sépare, en plus, il remplit juste à côté comme un vieux con. excellent. Par contre, je rappelle au mec qui avait vendu la précédente caisse de feu d'artifice qu'il peut, il peut les empiler comme un sourd dans la boîte qu'on avait. Hein. Genre, nous, on en avait dans nos coffres, ça va dedans, hein. Y a pas de souci. Hein. Et ça va chez la marchande, je crois. C'est ça. Oui. Il a pris la boîte. Donc la prochaine île, elle ça, est ça, du coup, je vais pouvoir le bouger, ce caillou. Je fais une place dans le coffre pour mettre un sud-est. Crâne. On n'a pas eu de coffre cendré, c'est un peu dommage. Ah ouais, faut relever l'ancre. Coffre cendré, c'est moi la région. Pas très régional. Par contre, ça veut dire que potentiellement, s'il y en a un dans le Devil's Roar, il doit régaler, hein. Il doit saucer, les garçons. Bah, faut voir sur la carte. Non, mais on n'ira pas. On n'ira pas. C'est pas question. Vous êtes trop nul. Ouais. Pour y aller, faut être compétent. Puis après, ça se dit meilleur ami. Hein. Oui, je suis le meilleur ami de moi-même. Ça faut vraiment que j'aille me moucher, au secours, je pars du nez. Au secours. Excellent. Ah, excellent. On a 30 caisses de stockage officielles. Louf. Je vais me moucher, je reviens. Hein. Normalement, je crois que l'île doit être par là. Ah ouais, non, là, faut que je retape un peu plus sur l'est. Il devrait nous faire une carte, tu sais, une mini-carte sur nous. Un Kraken. Ça fait longtemps. Non, la dernière fois, j'ai dû m'en taper un tout seul, c'était pas drôle. Est-ce que tu étais en mouvement ou est-ce que tu avais planté ton ancre? Alors, il se trouve que j'étais en mouvement, mais le Kraken m'a arrêté. Ouais, mais c'est une bonne chose quand même, ça. Parce que la dernière fois, on s'en est tapé un. J'ai presque envie de dire trois quarts d'heure. Avant que j'essaie de lever l'ancre. Mais pas loin qu'on mourrait sur place. Ouais. Il y en a un qui répare pendant que l'autre. Tu veux peut-être une voile de plus là parce que j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup. C'est une idée comme ça. Hein. Bah si je peux juste avoir une petite direction approximative s'il vous plaît. Ah bah je sais pas. Voilà. J'ai pas mieux. Ah bah c'est l'angle que tu prends un poil plus est que sud et on est bien. C'est un quinquin, ça, c'est un quinquin géant, je reconnais. Ouais. Cool. Chic. Il a pris le canon. Oh, j'ai touché.
chaud, hein. Il a pas kiffé là-haut. Oh le bâtard, bâtard. J'aurais pas. Il va nous attaquer là. Non. C'est ici, ça il fait son petit piqué. Je peux pas le toucher. Faut pas le toucher ? Je peux pas le toucher, j'ai dit. Ah oui. Je vais réparer. Faut vite qu'il arrête la brûlée, celui-là, au secours. Hop, 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 hop. C'est vite. Il va prendre que des angles de mort, c'est ça ? Ou quoi? Ah non, il est à gauche. À l'autre gauche. Ouais, là, il arrête pas de changer de côté là. Aïe, ah, je suis tombé à l'eau. Non, putain, il a vraiment réussi à tomber à l'eau celui-là. Ah, du coup, le quinquin il vous suit plus. Hein. Comment ça? Je sais pas, moi je le vois plus là. Je sais pas. Ouais, la musique vient de lâcher. Ah si, il est à droite. Il est à gauche. Il est derrière. Je sais même pas si je vais dans la bonne direction. J'ai redressé un truc mais je sais même pas si c'est bon. Si, c'est bon. J'ai redressé un truc comme un génie. Mais d'où ça traverse ? Putain. Je vais réparer. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ping avec le serveur. Hein. Une vague impression comme ça. J'ai mon boulet qui a traversé quand même. Ouais, c'est ça. Hein. Le quinquin il est un peu bugged. Ah, est-ce que toutes les balles qui se prennent depuis tout à l'heure là. Puis il lâche pas, hein. Et le pire c'est que ça hit à chaque fois quoi. Ah oh, ouais. Celui-là il a pas hit. Il est pour moi, c'est ça? Hop, une barre, un truc. Ah, c'est. Je suis pas encore mort. Pas encore mort. Non, moi non plus. Oh, il est où? Il est de quel côté ce connard? On est arrivé à la forteresse. Ah, il est à tribord là. Il est à tribord? Ah, ouais, ouais, tribord, tribord. Il est derrière. Quoi? Je sais pas ça. La gueule de qui? La touche. Bah il est plus ou moins à l'arrêt là le mec. Oh, qu'est-ce que c'est? Un coffre de rage. Oh, intéressant. Va falloir faire demi-tour pour récupérer Arthur. Il y a une petite coupe argentée en préfixe. Attends, parce que là c'est le massacre, hein. ils envoient. Ouais, ils peuvent envoyer ce qu'ils veulent, on s'en fout. C'est du vent ce qu'ils envoient. Par contre, je vais peut-être te rentrer un peu de voile pour que tu puisses tourner. Il fait quoi le coffre de rage? Il fait boum. Il fait boum. Il va falloir que je mette de l'eau dans la cale. La flotte, c'est où? S'il y a pas d'eau, il explose, c'est ça? Non, il explose dans tous les cas, mais quand il y a de l'eau, il fait pas de dégâts. C'est où la flotte? Ah, putain, c'est là. Parce que du coup, pour le tenir, c'est pas.
Angelo qui est en PLS. Puis la mise à jour, j'ai plus les pings affichés, mais il doit pas être glorieux là. Bon, on se retrouve sur l'île. Bah ouais, moi je suis venu te rejoindre en fait. Ah, arrêtez-vous à l'île au pire. Bah... Mais non, mais on est censé venir te rejoindre, donc indique-nous toi si on doit tourner plus ou pas. Il est con, il le fait exprès. Il est mis. Mais je suis sur l'île là. C'est pas sur l'île, à la base c'était Arthur qu'on venait récup. Je suis juste derrière vous en fait, j'avance. Ouais, c'est... J'avance gentiment, je regarde derrière moi s'il y a pas de requin. Parce que je n'aime pas les mauvaises surprises. Je te vois même pas derrière. Derrière, sur ta droite. Ah oui, je te vois. T'as pas l'air d'en avoir de requin derrière toi pour l'instant. Il y avait des choses intéressantes dans ton baril ? Dans tes barils ? J'ai fait le pain de bois et de boulet. Ok. Voilà. Après, sinon, il y avait pas de bouffe. Enfin, il y avait des légumes quoi. Non, enfin, mais il y a un capitaine. Il y a un capitaine. Ah, c'est peut-être le moment d'avoir notre clé. Il y a une chaloupe, il y a une chaloupe. Chaloupe Doggy Dog. Oui. Da 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 da. Une chaloupe à chloops. Un peu de pognon. Ah ah. Une Kate. Avec un coffre qui est à Zessi. Trésor enterré. Découvert, ok. T'as découvert un coffre. Ouais, à Zessi, un coffre de rage également. Putain. Bon, ça paye hein. Ah ouais. Ah ouais. T'as en plus on a l'émissaire mon gars. On va se saucer. On va se saucer, comme Brigitte Saucer. Comme Jean-Claude Sausset. Je sais pas s'il y a un Jean-Claude Sausset, mais c'est sûr que ça doit exister. Il y a un moyen de cet immense pays dans lequel nous vivons qui s'appelle la France, vive la France. Eh mais en fait, du coup, là, à base de du coup, si on vient avec une boîte de stockage, en fait, on peut tout vider instant. Ouais, mec. Bah ouais. Bah prends une caisse de stockage au lieu de déplacer ça, comme ça tu prends directement tout quoi. Tout ce qu'il y a dans les barrels. Ce qu'il y a dans les barrels. Ouais c'est ça hein. Et les barils là. Et les panzani. Et tout ce qui va bien. Vas-y, j'arrive avec la caisse de stockage. Ah oui, on a deux coffres de rage. Bon bah je vais monter des coffres de rage hein. Bah, on peut pas les arponner, je les avais mis là justement exprès. Bah c'est pas grave, j'ai mis de l'eau dans la cale. Et puis vu que j'allais remonter sur le bateau, si tu veux. Alors j'espère qu'il y a assez d'eau. Sinon on va avoir des. J'ai trouvé un coffre boîte ici les gars. Il est rouge le coffre. Il est rouge le coffre là. Coffre boîte. Bah, c'est excellent ça. Donc j'ai ouvert, j'ai pris ce qu'il y avait dedans, mais je crois qu'il y a un crâne dedans. Ouais. Bah t'aurais dû prendre tout court le coffre boîte. Mais je peux pas, j'ai la caisse de stockage. Vas-y, t'inquiète. De toute façon, on va venir te dépanner. J'arrive. Hein. J'arrive, parti. Là, je suis en train de dévaliser l'île. Où est donc ce panier ? Les deux coffres de rage sont à bord ? Ouais. Ok, ouais. Oh ! Je rajoutais de l'eau. Hein. Vas-y. On a un petit crâne en plus dedans, c'est cadeau, c'est gratuit. Je suis très rassuré, mais je suis pas très rassuré. Bah après, faut pas toucher l'eau, quoi. Oui, alors que je prenne des dégâts de bouilloire, c'est une chose. Par contre, s'ils explosent et qu'ils foutent le feu aux mains où il y a 5 barils de poudre au sommet, je vais quand même déjà moins rigoler. Bah alors, voyons voir si la pêche a été fructueuse. Bah, pas tant que ça.
Bon alors du coup la forteresse elle est où déjà? Ah, il y a une épave à tribord là-bas là. Épave à tribord là-bas. Le plus d'eau ou pas? De quoi? Le plus d'eau ou pas? Je crois que c'est bon. Ouais, il faut plus d'eau. Ah ouais, faut plus d'eau. Bon vas-y, bon, je vais aller sur l'épave. Ah mais ça a tout asséché. Oh, j'ai ramassé un seau, ça a tout asséché. Oh là là, c'est la merde. Non, mets l'encre, faut que je mette de l'eau. Bah dans le tonneau là, le tonneau, non, Arthur. Ça met que trop de peu d'eau en fait. C'est pas rentable. Bah c'est, moi je pompe, tu prends et tu jettes dessus en fait. En fait par action c'est pas rentable. C'est ce que veux dire. Et okay. Ça met moins d'eau, c'est pour éviter que les autres joueurs inondent. Ah, tu veux dire qu'on dépose moins de flotte dans le navire que si on s'arrête pour aller ramasser dehors, ok. Je vois ce que tu veux dire. Parce que sinon, tu sais, les gars ils surabusent et ils noient le bateau comme ça. Ok. Bah vas-y, si on est à l'arrêt, allez-y. Hein. Ça dérange pas. Je crois que ça devrait être bon là. Sûr. Garde un au cas où. Ouais, j'avoue. Je rajoute de l'eau, hein. Je veux les couilles. Hein. Parce que c'est pas les navires squelettes avec leur boum boum qui font peur. Hein. Hop, je rajoute celui-là. Oh, il nous a bien troll la face celui-là, c'était pas drôle. Non, mais en fait, faut en rajouter plus. Parce que là, ils commencent à brûler. Ils sont rouges vides, donc ils sont pas refroidis. Allez-y, je fais des trucs extrêmement importants. Ouais, ce qu'on appelle la pêche. Mmh. Et bah, je fais de l'argent. D'accord ? Je crois que c'est bon, on peut y aller. Extrêmement important. Ah, j'aurais l'air de parler. Il faut m'aider à soulever l'encre. Bien sûr. Ouais, aide-lui à la soulever. Oh, une ancienne écaille d'amande. Ah oui, c'est vrai qu'il faut évaporer l'eau, ces bâtards. Il y a un sloop en face. Un sloop joueur ou un sloop ce que? On dirait un sloop. Joueur. Joueur. Confirmé, ouais. Ce sont des joueurs. Ils ont un petit pavillon. Ils ont un. Je pense qu'ils ont un flag de mission. Oui, il y a des sacs qui traînent sur le pont. C'est traîné n'importe quoi sur le pont, les gars. C'est vraiment. C'est terrible. Tac tac. Je peux te laisser un poisson dans le tonneau à cuire. Bon, ça pourra, oui. Ah oui, parce qu'on pourrait aller directement sur l'avant-poste plein d'air pour vendre nos coffres de rage ultime là. On pourrait faire ça. Comme ça on s'emmerde pas. Après la petite épave, ça me paraît être une riche idée, voyez-vous. Il faudrait quand même pas qu'on oublie de faire le fort. Ah oui, mais on est à côté de l'épave, c'est ça? Ouais, on est à côté de l'épave. Non, t'inquiète, la forteresse, je l'ai pas oublié. Alors, si je peux sortir un petit poisson moche. Alors, du coup, l'idée c'est que. Par contre, on a potentiellement pas de visu sur les gens là, c'est ça? Ah. Ah, c'est ça, j'ai pas de visu sur les gens si je veux pêcher. C'est un petit peu embêtant. De toute façon, là il y a mon requin qui est cuit. Ok, alors dans le fond j'ai un.
coffre de capitaine. J'ai un coffre de capitaine. C'est l'avant-poste, ça, en face. Ouais. Les mecs, ils sont sur l'avant-poste. Moi, je peux aller à l'avant-poste, voir ce que ça dit. Hein. Si les gens sont aimables ou mal aimables. Ils sont russes ou non. J'ai aucun problème contre les russes. Hein. J'en ai beaucoup. À commencer par, ils ne sont pas français. Avec le plus gros problème d'un russe et d'un américain, c'est qu'ils ne sont pas français. D'ailleurs, je pourrais dire la même chose des Anglais. C'est vrai que je pourrais même dire la même chose des Chinois. Je pourrais dire la même chose de tous ceux qui sont pas français, en fait. Même si c'est plus acceptable quand ils sont francophones. Si je voulais bien arrêter de me troll et de m'envoyer des vrais poissons, ce serait fort aimable à lui. Du coup, c'est bon, j'ai fait le tour de l'épave. Hein. C'est sûr. C'est sûr que si je descends, je trouve des trucs. Et toi, tu pêches. Ok, bah je descends, je vais voir. Je vais trouver des trucs. C'est sûr. Bah c'est ouais. Sûr, en fait. Déjà, je vois un truc qui brille à travers le plancher qui a pas été récupéré. C'est très probablement. Ça s'appelle une émeraude. C'est quoi ? Une émeraude, je crois. Ok, là il y a des trucs qui n'ont pas été pris. J'ai pris le plus important. Bah, une émeraude, c'est 1500 boules. À quel moment c'est pas important ? Non, c'est un bâton de mort que t'as laissé. Ce qui est normal. C'est un bâton de mort, mais c'était sûr. C'est parfait. Hop. Une cuisse de poulet qui a été abandonnée. Une caisse de soie exotique qui a été oubliée là. Ah parce que celle-là je l'ai pas vue par contre. Bah alors Zinedine. Parce que moi du coup j'ai trouvé un poisson. Un poisson. Cendreux. Un petit poisson. Ouais. C'est compliqué ce mot. J'aime pas ce mot. Et bien sûr. C'était médiocre quoi. Heureusement que je suis plongé, sinon on perdait de l'argent quoi. Heureusement que je suis plongé. Si j'avais pas plongé. Vas-y, dis où on est, toi. Où est-ce qu'on est? On est à l'épave juste avant Plunder. On est au sud de Plunder. Si jamais. De l'avant-poste Plunder. Oh, il a oublié une autre cuisse de poulet, quoi. Mais l'indignité de cet homme, quoi. Vraiment des gens qui te laissent. Ah oui, t'as laissé vraiment une émeraude, en fait. C'est pas une blague. T'as vraiment laissé une émeraude en disant c'est bon, j'ai tout fait, quoi. Ton plus grand des calmes. Ouais. C'est bon là, t'as ton succès? Non mais on l'avait déjà. Ah. Mec, attends. Mais il a laissé tant de choses, mais je te déteste. Un feu d'artifice que éclaboussant entre lui. YouTube veut voir ça, je suis sûr. Une petite clé éclaboussante. Mais pourquoi t'as laissé autant de trucs? Mais. Mais il en a laissé partout. Et t'as pas fouillé ce bateau? Mais parti, tu voulais que je m'énerve ou c'est comment? Ou le bateau c'est régène? Ou alors c'est. Non mais mec, en fait c'est qu'on trouve vraiment pas les mêmes choses dans le bateau. Quand on plonge, je suis désolé, on trouve pas les mêmes choses. Est-ce qu'on a fait le même bateau? À moins que pour l'émeraude c'est vraiment une blague? Pour l'émeraude c'est vraiment t'as fait exprès de la laisser ou. Non, l'émeraude j'avais vraiment fait exprès. Parce que tu regarderas, regarde dans la cale tout en bas, il y a encore des poissons ou des machins qui traînent, des cuisses de poulaga ou je sais pas quoi là. Oh, il y a un requin. Oh bah tiens, ça nous fera un peu plus de poissons à cuire. Ah putain, en plus j'ai pas pris de. Par contre, c'est pas une bonne idée qu'on plonge tous les trois en sachant qu'il y a un navire potentiellement ennemi juste en face.
Non, non, mais moi j'ai juste fracassé le quinquin pour aller le cuire et. Hop. Et voilà. Bah, je te mets plein de cuisson, si jamais ça t'intéresse. Et de quoi pêcher aussi, si jamais ça t'intéresse. Je crois que le bateau a mis les voiles en face. Ah, c'est possible. Des gens de pêche, hop, finalement. Du quinquin. Ah, et je crois qu'ils mettent vol vers nous, hein. Ah, ça c'est pas bon, va falloir remonter tout de suite. N'hésite pas à bouger s'il faut, hein. Genre, tu nous abandonnes sur place, ouais. On s'en fout, hein. Les coffres, ils sont gênés, enfin, voyons. Ah, c'est bon, ils mettent, ils sont dos à nous. Dos à nous. Okay. Non, enfin oui, dos à nous. Ouais, ouais, ils se barrent quoi. Voilà, et dos à eux quoi. Ouais, ils se barrent quoi. Bah, je crois qu'on a tout. C'est quoi ce bruit? C'est Arthur qui s'amuse avec le bâton magique. Tu peux garder le bâton magique si tu veux, mais par contre tu me le fous dans les souterrains. Je le range pas sur le pont. J'ai rien contre la caisse de loot, mais vous savez qu'elle se voit sur le pont, elle brille à distance comme si c'était un loot. Et j'ai pas envie d'attirer à moi des Russes. Parce que personne n'aime les Russes. Parce qu'ils même pas les Russes eux-mêmes, à ce qu'il paraît. Du coup, direction avant-poste plein d'air ? Je pense à point, oui. Et il faudra donc changer la barre. Parce que cette barre, on voit que dalle dessus, Arthur a dit, et je suis d'accord avec lui. Elle gâche la vue. Oh, j'ai tué le quinquin. Voilà. Félicitations. Parti, je t'ai mis du serpent qui est pas tout à fait cuit et du requin qui n'est pas cuit. Ça marche. Ouais. Alors, y a des mouettes juste devant le quai. Faites gaffe, y a peut-être des explosifs. Vas-y, je regarde s'il y a des explos. Ralentis, y a un truc. Je peux pas ralentir plus, mec. C'est soit tu plantes l'ancre, soit pas. Si tu choisis. Il y en a deux là en fait, c'est pour ça. De barils d'explosifs, enfin, tu vois, j'ai bien fait de dire restez vigilants. Ok. Ok, actualisation du loot. On se sert dans les tonales. Ouais, téléphone, excusez-moi. Donne-moi ton tube. Je viens d'y penser, c'était peut-être un coup de fil important. Bon, bref. 19h19, il n'y a aucune chance que ce soit un coup de fil important.
sinon c'est important, ça laissera un message comme qui dirait l'autre. D'ailleurs c'est très marrant ça, les gens ils laissent plus de messages mais quand c'est important. Genre c'est important mais on s'en fout, t'as qu'à décrocher. Genre ça va te deviner que c'est important, tu vois. C'est rigolo ça. Ouais, bah, c'est toujours rigolo. Ouais. Après, faut définir ce qui est important. Moi, tant qu'on parle pas de vie et de mort, c'est que c'est pas important. Tenez du travail, monsieur. Encore du travail. On va y terminer. Hop là. C'est bon, on peut aller vider tous les coffres là, c'est ça? Non, non, pas encore. On est en train de ramasser les trucs qui traînent dans l'eau là. Arthur qui est parti vendre, je suppose, un baril à la main. C'est ça? Bah, du coup, moi, tu sais quoi, les coffres, je les sors, je les mets tous sur le pont. Ouais, t'as raison, surtout, remonte pas l'ancre, ne nous fais pas gagner de temps. Je déconne. T'es cassé, y'a pas de soucis. De virer les barils de là parce que. Ouais, ouais. Bah, ramène-le sur le bateau, toi, l'autre, Arthur, toi, on ira plus vite. Enfin, à moins que tu veuilles aller le vendre à la main, ceci dit, je m'en fous, ouais. On va dire ça, je pense qu'on gagne rien, je pense qu'on perd rien. Mais ça évite, tu vois, voir par exemple si un tireur en musqué, tu vois. On sait pas. C'est pas faux. Après, il a qu'à viser le sommet de notre main et il va bien rigoler. Mais c'est vrai que tu peux aller faire un petit tour de l'île pour voir s'il n'y a pas un planqué. Genre dans la taverne ou un truc comme ça, ou juste derrière. Ouais, parce que c'est pour ça que je le trouve très très zen, notre cuistot, qui est déjà en train de tout monter sur le pont, du genre en mode « Venez, joueur ennemi, servez-vous !» Tu bosses pour qui, par dire en vrai? Dis-nous la vérité. Si on te demande, tu dirais que tu sais pas. Je comprends rien ce qu'il dit, mais on est d'accord avec lui. Si on te demande, tu dirais que tu ne sais pas. D'accord. Un peu rapide ça. Un peu rapide. Voilà. C'est bien, ça fait un peu d'eau dans le navire. C'est une excellente idée, ça, non? Il y a un trou dans le bateau, faudra le réparer. À qui ça se vend, les coffres de rage? Quelqu'un sait? Au collectionneur. Collectionneur, ok. Et vous ferez gaffe, on a une caisse de feu d'artifice qui est vide et l'autre qui est pleine. Et combien, un coffre de rage? C'est un titre informatif. Oh ouais. Ça paye un peu, hein. Ah ouais, un petit doublon là. Ah, ça boue un peu aussi. C'est hot. Ouh. Quelques petites brûlures là. Ça réchauffe un peu. Je rigole s'il me pète à la gueule et que je crève. Bon, ouais, ça très drôle. Bon, non. 4700. 80, ouais. Ouais, on est à presque 5000 balles le coffre, c'est quand même pas dégueu. Hein. Oh, le mec il fait des petits tricks. Il fait des petits tricks, mais moi je prends pas la caisse de soi. Merci, Quizatz. Alors, autant je trouve que le spectral est réussi dans ce jeu, mais par contre, vraiment, comment ça me défonce la tronche. Les yeux là, c'est insupportable. Moi j'adore. Ceci dit, si vous avez tous les deux besoin de monter votre ordre des âmes, n'oubliez pas qu'une fois qu'on a fini de vendre nos coffres, on peut tout à fait aller tomber ce truc là pour vendre les crânes et changer de pavillon quoi. Ok. Allô. Ah j'avoue, ça pourrait être pas mal. Voilà, comme ça vous profiterez sur un peu l'ordre des crânes Zibus. Ouais, YouTube c'est chez moi, c'est pas chez toi. Donc après on perd les niveaux de les niveaux de coffre. Du coup on n'aura pas le même bonus en fait. Zéro. Ouais, mais ça te fera toujours un peu de notoriété machin et ça te permettra en fait au prochain arrêt de d'abord vendre les crânes avant de changer pour prendre des coffres. Je rappelle qu'on en a fait que deux d'efforts, donc tu peux tout à fait changer encore. Mais c'est vous qui voyez, hein, c'est pour vous. Une fois,
Je me sens pas trop concerné. Donc, c'est entre vous qu'il faut en parler maintenant, pas demain. Non, bah moi je m'en fous. Sinon, on en monte un à balle et puis après, on va faire que des petites missions pour les crânes en vrai. Hein. Donc, ça s'était bien passé. Donc, on le tombe pas. Ok, ça marche. On va gagner d'autant plus de valeur d'émissaire en vendant des coffres. Oui, mais c'est l'émissaire dont vous avez pas besoin. Toute une question de réputation dont vous avez besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Pas de soucis. Bien compris ou pas? Bien compris. Non, ouais, vous avez pas bien compris. Je suis plus mieux que vous. C'est compris ou pas? le coffre cendré, vous voulez vraiment le garder? On peut le prendre, si on n'a pas de clé, on s'en fout. Ah, c'est vous qui voyez, hein, je vous demande. Hein, parce que, au cas où vous auriez pas compris, moi j'en ai pas besoin. Je suis supérieur à vous. Je suis plus mieux, ok. Attends, je te mets ça avec tes crânes. Parce que du coup, vous avez besoin en crâne. Et je crois qu'il reste un caillou bleu là-dessous, non? Ouais. Tiens, hop, bon, je rembarque les crânes. Avec les crânes. Et ouais, la bure d'enchantement, ça c'est pas pour moi. Ouais. Et pas oublier de changer la barre. Dès que quelqu'un peut changer la barre. Changer la barre? Oui, puisque elle t'empêche de voir. Oui, c'est vrai. Totalement zappé cette histoire. Heureusement que j'y pense. Hein. Oh là là, il pense. Vas-y, je m'en occupe. Il est vraiment dans l'excellence, hein. Il est vraiment plus mieux que vous. Il pense jusqu'à là-bas. Vraiment légendaire, quoi. Et vous, comment vivez-vous votre légende? Voilà, tiens. Comment vivez-vous votre infériorité? Exactement. Attends, mais il reste des trucs là. Des machins, des caisses. Des bures, des trucs. Bah, il nous reste les tonales aussi au top, je crois qu'on n'a pas vendu. Les tonales, ouais, ouais, les tonales. Ah, n'oublie pas qu'il y a une caisse de feu d'artifice qui est vide, hein. Ça sert à rien de la vendre si elle est vide. Si, c'est le même prix en fait. Oui, non, mais oui, mais du coup, on pourra se débarrasser de d'autres trucs, d'autres feux d'artifice. En fait, quand tu la vends à 0, elle a le même prix que quand tu la vends à 17, par exemple. Ah, que soit vide ou pas, c'est la même. Ouais. Après peut-être que ça a changé, hein, mais honnêtement j'avais fait le test, ouais. Et c'était pareil. Après t'as peut-être aussi pas chaté et que tu t'es peut-être retombé sur une caisse qui avait été payée pas cher et du coup payée au prix du vide. Ouais, mais ça vaut pas le coup de... C'est comme les barils qui sont vendus entre 100 et 250 balles selon comment le jeu qu'il en a envie, quoi. Ouais. 100 et 200 balles. En moyenne 150. Par contre, il y a un coffre dans l'eau, hein. Dans le plus grand des calmes. Ah, ouais. Alors 7 c'est un coffre qui vaut pas grand chose, mais quand même. Regarde. Là je vais vendre celle qui est à 0. Ouais, vas-y. Hop. Alors 1700. Toi, 1800, allez. Ouais, ok. Et là je vais vendre celle qui en a beaucoup plus. Vas-y. Ce que t'appelles beaucoup plus. Elle est remplie à la moitié au moins. Ok. 1600, tu vois. En fait, ça change rien. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. On roule. Pardi, tu peux la fermer, s'il te plaît? C'est moi qui l'ai ouverte. Bah, le coffre. T'es AFK, mec. À bout d'un moment, tu vas te faire déco par le jeu. Hein. Non, moi je parlais du coffre parce qu'il avait la oui, porte du coffre ouverte. Oui, je sais, c'est moi qui lui ai ouvert. Pour voir s'il réagissait, mais bon, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Il est à moitié là en fait, le mec. Je suis occupé là. Ouais, il est en train de ramasser la tuile là, il est occupé là. Ouais, moi aussi je suis occupé. On me dérange pas, lui. Est-ce qu'ils sont. Vous savez que j'ai besoin d'or, donc n'hésitez pas à farmer toute la nuit pour moi pendant que je fais de la FK à Wall. Tu vois, bien sûr, dans mon mur. Je fais du Wallack. Le mec il est là avec toute sa condescendance. Moi je suis occupé là. C'est ouf. Rien du tout.
On a envoyé des petits messages à ses potes de League of Legends. Non mais là je peux pas les gars, ça va se voir. Je peux pas les gars, là je suis en train de faire semblant d'apprécier mes potes. Enfin mes potes entre guillemets. Mes potes, enfin c'est des mecs qui jouent même pas League of Legends quoi. Parce que tout le monde sait très bien que les vrais potes c'est League of Legends. Les vrais potes de façon sont ceux qui ragent et qui... Mec j'ai fait tomber le baril et je suis mort juste à la sortie. C'est ce qu'on appelle le karma. Ah mais en attendant le karma il m'attend. Heureusement qu'il y a des vrais potes sur ce navire quoi, qui jouent pas League of Legends. Là il y a les vrais potes et il y a Arnaud. Adieu Pardy. Oh c'est lui il a réagi. Mais toi t'as même pas réagi à ce que je dis. 234 le barrel, putain il est bien payé hein. Tu sais, c'est augmenté le prix du barrel. LOL. Bah non, pardon. C'est pas une blague, avant c'était 150 balles. Non mais, du baril de, d'essence aussi. Ah oui, c'est pas faux. Ah ça y est, c'est les actionnaires, ils ont paniqué, ils ont fait vite, montez l'argent. Toutes les excuses sont bonnes pour faire du pognon. Bon, il est peut-être temps de retourner à la bagarre. La bagarre? Ouais, bah ouais. Parce que bon, YouTube, ils sont en train de se taper une vidéo qui fait... va faire 4h30, 5h. Au bout d'un moment, ils aimeraient bien voir de la bagarre, hein, à YouTube. 4, 5 heures montée, attention. Oui, tout à fait, tout à fait. Plein sud. Montée plein sud. Ouais. Montée comme nos voiles. Ah, montée comme un poney surtout, mais pas montée dans le sens dans lequel tu penses. Non, 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 fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. T'as de la chance, ça va bien se passer. Ça s'est mal passé, Aya. Arthur. Parce que t'es un Aya coup. Qu'est-ce qui voilà. s'est passé? Bah, il s'est passé qu'on va beaucoup trop vite, donc on s'est éclaté contre le ponton. En fait, d'abord tu fais demi-tour et après tu sors ta voile. Et en plus, ça t'évite de faire demi-tour sur 300 km parce que tu tournes pas. Parce que t'es pas moi, en scoop. J'étais en train de faire. Ah non, c'est pas toi. C'est Pardy qui a ouvert. Putain, mais quelle espèce de connard. Et en plus, il a acheté le. Il s'est même pas acheté un don. Non, il est vraiment à jeter celui-là. Rien à foutre. Ah non, mais surtout que je comprenais pas pourquoi je me prenais. Ouais, mais j'étais pris pour quelqu'un d'autre. Il y a eu erreur. Il y a eu erreur sur le Golio. C'est ce qu'ils disent les flics quand ils tapent sur des personnes. Faut voir les tuer. Ah oui, quand ils sont blancs, ils se disent oh, excusez-moi, monsieur, il y avait erreur. Ouais, mais faut prévenir quand vous revenez de la plage, monsieur, faut mettre de l'écran total. Ça évite de vous confondre avec des dealers. Ça. True story, true. Ah, carrément, on est sur de la true story, quoi. Ah oui. Du true storytelling. Incroyable. Bon. La bière d'enchantement, je me demande ce qu'on va en faire. J'espère que ça va coûter cher, parce que. Les binous, là. Petite bière, là. Petite bière, une petite binge. Le truc du brasseur là, l'hyromancie. Ouais. Non, non, artisanat de base, hein. Ouais, ouais. Non, moi je me disais, tu vois, genre pourquoi pas la compléter quand même en indiquant un petit peu les temps de fermentation, tu vois, rajouter un peu plus de rigueur scientifique. Ah bah, tu peux, hein, c'est toi l'expert, patron. Moi tu me dis, je te laisse faire. Pas de soucis. Hein. Et quand c'est bouclé, je mets ça sur le fichier des noms. C'est très bien. Ça roule. Peut-être faire un tableau, mais je suis pas très bon en tableau. Non, la seule chose, c'est qu'il faudra toujours penser à ajouter de la gemme concassée, de la poussière de gemme, puisque c'est ce qui va permettre de d'enrichir le mélange. De quoi? Sinon, attention à l'épave juste devant. Ouais, de toute façon, au pire, là, on rebondit contre, hein, c'est pas très gênant. Là, plus tard, j'ai découvert une épave qui a déjà régène. Hein. Ah, j'en ai marre d'avoir des bouchées, ça infecte. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a sauté là. Oui, c'était moi. J'ai un joueur ennemi avec moi, au secours! Secours! Elle a pas respawn. Hein. Et vous avez laissé quelque chose sur le feu ou je rigole là? Ouais. Ouais, Arthur a dû laisser quelque chose, je crois. Mais ouais, mais en plus il est du requin quoi, Mais Arthur, franchement, vraiment, t'as zéro tête quoi, tu pourrais au moins prévenir les gens. T'es défoncé? Ouais, t'as pas, fumé combien de joints? T'as bu combien de bières? De bière, 0, de juin, 0. De juin, pardon, 0, de juin. Oula, peut-être falloir t'y mettre du coup. Fume des trucs. Non, c'était juste que. Voilà.
Juste qu'il est fatigué comme d'habitude. Je sais pas, c'est quand je joue avec vous, là, ça me saoule, donc forcément, tu vois, je suis alcoolisé. Ah, donc t'as consommé du pote. Petit consommé de pote, là. La plus belle drogue au monde. Pourtant, je préfère largement le rhum. J'ai trouvé une caisse de boulets de canon à l'intérieur. Donc ça a bel et bien été régène. Et même des pare-chauds, hein. Je continue à vous feed à coups de pare-chauds. Ça fait plaisir. Je vais te chercher en barquette. En barconnette, je sais pas. Faut voir si j'ai le temps de... Ah ouais, non, il y a encore des trucs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se feed avec ça. Parce que moi, je veux ça. Tu peux te laisser, pardon. Après, le... Ah ouais, ça, c'est trop cravé, donc je vais plutôt prendre ça. Je prends un boulet de canon. Je vais pas me prendre un tir de revenant. De personnes non désirées vivantes. Waouh! Je pense qu'il y a du racisme anti-mort vivant. C'est même pire que ça. C'est non désirées vivantes. Hein. C'est-à-dire qu'on en est vraiment à un stade de cruauté où en fait on préfère mort en fait. C'est-à-dire qu'en fait là c'est des gens que t'aimes bien, t'es en train de dire officiellement. Et je suis censé partir plein sud. C'est ça? Position géographique. Non, sud. Graphique, je, par là. Je sais pas. Ok, c'est bon. J'arrive. Je vais vers toi. Tu vas à l'île la plus excellent. Proche. Je vais là où il y a le bateau, plein sud. Ouais. Sachez YouTube que ça prendra le temps que ça prendra, mais j'arrive. J'ai presque envie de dire chaud pour moi aller attaquer le fort suivant à la nage pour faire plaisir à YouTube. Pour lui donner un spectacle. Un tel petit spectacle. J'arrive dans les mers de Booty Isle. L'île du Charbotais. Ou du chat boiteux, je sais pas exactement. Big Booty Isles. T'es sûr que tu viens vers moi avec ta barque là? Ouais. T'as Booty Isle aussi, non? Moi je suis. Ouais, je viens de la traverser là. Ouais, je te vois, t'es sur la droite par rapport à moi. Donc faut que t'ailles plutôt sur ta gauche, tu veux m'intercepter. Ouais, justement, je m'oriente. Parce que je sais pas si tu me vois avec la mer en fait. Ouais, c'est bon. Allez. Ok, je vois ton blaze, tu devrais voir mon blaze. Voilà. Ça serait trop bien si j'arriverais à t'avoir d'ici, toi. Souquez les artibus, moussaillon. Même si ça ne veut rien dire, évidemment. Bon, ça veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire quelque chose en plus, c'est ça le pire. Terme très technique qui veut dire faites des trucs puisque je comprends rien à ce qui se passe. Par contre tu as tapé une île là. Voilà. Ça c'est un peu problématique. Vas-y, fais le malin, toi, j'arrive.
que j'ai. Niveau 5. J'avoue que la musique est trop bien. Vous pourriez faire du commentaire pour YouTube hein, pendant que je fais rien. Hein. Comme si c'était ma chaîne. Hein. Vraiment. Comme si c'était. Alors, comme vous pouvez le voir, actuellement j'ouvre des couvercles. Ah, ben non, vous pouvez pas le voir, du coup c'est un peu débile. Bah si, il te voit. Vous me voyez ? Ah non, il te voit pas. Vous me voyez nu sous mes vêtements ? Bah si on pouvait voir sous tes vêtements, oui. Non ! Au secours ! Ou alors t'as fait des choses étranges avec ta peau. Avec mes quoi ? Avec ta peau. Parce que si on ne te voit pas nu sous tes vêtements, ça veut dire que tu t'es fait des vêtements de peau. Ce qui est terrible. Thierry, c'est terrible. Ce qui est terrible, Michel. C'est... J'ai envie de te dire, c'est pas très catholique. Oh. Bah. Mais tu me diras, je suis un peu regardant. J'ai la clé de la réserve, les bitchoulounous. Ah, régale-toi. Bon, YouTube, ils ont assez vu, hein. Je vais cuire du poulet. Hein. Ouais, voilà. Bon. C'est bon, YouTube, de toute façon, t'es déjà plus là. Hein. Si t'es encore là, hein, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Hein. Vraiment. Hein. Et le dire dans les commentaires, on saluera ta présence. Vous risquez de gagner quand même 5. Vous avez une chance de gagner 50. Enfin, une carte cadeau de 50 euros. De, oh non, pas du tout. De Google Play, si jamais vous écrivez le mot de passe Knarf. Par contre, ce que t'as lâché. Ce que t'as une chance de gagner, c'est une vidéo de 50 heures. C'est possible que ça finisse par arriver, ça. Ah là, ouais, d'ailleurs, on fait le commentaire, comme ça on verra si s'il y a des gens qui mettent le. Voilà. Bah, il y aura qu'un seul commentaire, ça sera le mien. C'est pas vrai. Je suis sûr que je peux en négocier un deuxième. Arthur, tu lâcheras un commentaire. Je pense que je peux en négocier un troisième. Vas-y, je vais me lâcher moi-même un commentaire. Oh, c'est bon, on est bon. On a la totale. Pour gagner. Vous m'avez pas ouvert ici là. C'est bien que vous ouvriez là ici. Pas ouvert. Ça dégoûte ça. Ça me dégoûte. Eh mais est-ce que je ferais pas de mieux de venir avec une caisse de stockage directement là? Bah oui mon grand. Après en vrai je peux le faire vu que je... Ou après en vrai, vu le nombre de planches qu'on a de blade canon en fait, on a vraiment besoin. Je sais pas si c'est bien nécessaire, mais bon à la limite. Non parce qu'il y a des poulets à cuire, il y a de la viande, des choses comme ça. Je veux bien, mais où la boîte? C'est bon, je trouve une boîte. Elle est en bas. Toujours des trucs qui traînent dans la boîte, c'est incroyable. Dans les tonneaux qui sont sur les poulies, tu vas retrouver des poissons, des choses comme ça qu'on peut revendre à la... Ah, dans ce là poste. Ah. Vas-y, je prends. Ok. Cool. Cool. Ah, et donc, c'est pas un bug, c'est vraiment une histoire de délai par rapport à ce qu'il y a dedans. Vous avez pris le... Comment elle appelle ça? Très bien. Le... La petite boîte pour la quête. Moi j'ai rien pris, mec. Ouais, je l'ai rangé dans le bateau. C'était juste pour savoir parce que j'ai vu la porte là. Je te flic. Oh bah je vais rentrer avec la boîte parce que je crois savoir qu'il y a pas mal de boulets de canon à ramasser. Oui, il y a une nouvelle vague. Oula. Ouais, j'ai trouvé la vague. Qui dit ça. Elle est sur moi. C'est les arguments de... Ouf, putain, ouais, j'ai mal. Ouh, j'ai mal. Boum, boum, boum. Ouh, j'ai mal. Ouh là, j'ai mal. Parce que boum, boum. Boum, boum, c'est toi, boum, boum. Tu veux me faire boum, boum avec moi?
Vas-y. Non mais bon. Là ça va faire mal. Qu'est-ce que tu dis toi? Hein, j'ai dit à ça que c'est pas bien. Qu'est-ce que tu dis toi? Oh, promotion obtenue, au cœur du fléau. Excellent. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit... Oh, il écoute pas. Non, pas toi, il y avait un gars qui était là... Genre, c'est en mode... Sock mine. Ah, on terra les... Mm. Tu veux dire un petit garçon? Encore. Vraiment, ces enfants. On devrait pas les autoriser à jouer aux jeux vidéo, de toute façon, ça les abrutit. Ouais. Après, ils regardent des gens bizarres. Ah, je suis mort au deuxième étage. Bon, tout le monde s'en fout, hein, je vais mourir, tout court. Allez, hop. YouTube dit que vous m'avez abandonné, que c'était pas cool. Voilà. Et alors? Je vois pas où est le problème. Nouvelle vague. Gros jeu, hein. Rah. C'est la vague du capitaine. Peut-être bien. Que nous ne verrons pas YouTube. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà ce bug-là au moment des forteresses et il existe toujours. Ça fait plaisir. De quoi, le capitaine? En fait... dans les forts, vu que ça charge régulièrement, que t'as des nouvelles vagues qui apparaissent, etc. Mmh. Ça crée des défauts de bugs dans le chargement. Et donc là, je suis dans l'écran noir de chargement infini. Et ah. Potentiellement, je peux pas popper tant que t'auras pas tué le capitaine. Non, si, ça y est, je suis là. Non, faut lui laisser un peu de temps. J'ai essayé une vague entière, hein. Et vous avez fini de laisser ce capitaine se balader? Malheureusement, je peux là. Il est où? Bah, juste à côté de là où ça tire. Hein. Bah oui, c'est clair. On essaie de se mettre poliment des balles, je suis sur le bateau, il est juste à côté. En plus, il est même, il bouge pas. Hein. Alors, il essaye vraiment juste de me tirer dessus depuis tout à l'heure, quoi. Ben voilà. J'ai peur de vous, les petits loulous. Bravo à vous. Bravo à moi. Ça va? Ça va les chevilles ou tu veux que je te prête les miennes? Bon, oh, vas-y, on peut prendre les deux. Ok, LM. Sauf que vu la taille des miennes, c'est plutôt que je t'en prête près de 4 en fait là actuellement. Ah, il y a des barils de poudre qui traînent sur le... Allô? Oui, bonsoir. Il y a des barils de poudre. Il y a un baril de poudre qui traîne. Et allô? Allô? Vous me fatiguez. Vraiment, vous musez le nerf. Et l'optique en plus. Allô? Oui, bonsoir. Bon, bon, bon. C'est bon, tu m'entends? Ils sont cons, hein. Excusez-moi, messieurs, c'était le livreur. Oui, mais à première vue, tu vois, il n'entend pas.
T'entends pas les gens ou il fait exprès de faire le con, évidemment. Ce qui est très probable. Et même s'il est vraiment bugué, c'est plus rigolo de se dire qu'il fait le con. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, il fait le con. Hello. Mais bonsoir. Voilà, tu vois, il faisait le con. Oh putain. Je parlais tout seul là pendant 10 000 ans. Non, tu parlais pas tout seul. Tu faisais le con. Bon, du coup, moi je vais me caler vite fait sur le bateau 2 minutes. J'ai mangé un bout. Ah, il est saoul là, jamais rien faire. Il est jamais disponible. Ouais, les gars, moi je vais faire une pause là. Du coup, je me mets sur le navire. Ouais, ouais, bah pareil, hein. Je vous dites ça, j'ai fait le trois quarts du truc dessus là. J'ai fait le trois quarts du truc dessus. Ouais, le, mais ça va, tu veux qu'on tue aussi tant qu'on y est. On l'ôtait. Non, non, pas prendre, je veux stocker. Ouais, 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 c'est ça. Insupportable, désolé, faut mec. Je, faut que je m'alimente un minimum, j'ai rien mangé de la journée. Ah, mais ça, c'est ton problème. Ouais, c'est ça en fait, t'avais qu'à prévoir au lieu de te pointer comme une fleur, dire allez, vas-y, on joue à Steve et puis après faire rien manger. Bon, en même temps, ça fait depuis quelle heure on est dessus, Arthur? Oh, depuis 14h. Voilà. Et bah, et alors? T'as pas mangé à midi? Bah, non. Et bah, et tu crois que c'est le problème de YouTube? Je veux dire, moi j'ai pas mangé depuis très longtemps. Et je fais chez personne. Voilà. Ça te fera maigrir un peu, espèce de gros lard. Maigre. Avec les autres. Fais attention parce qu'à une lettre près, c'est raciste. Hein? À une lettre près, c'est raciste. D'accord. C'est le N-word. Tu le dis. C'est le. Le non, mais le si nom, tu le dis, je te crois pas, hein. T'inquiète. Alors, je vais chercher des barils qui pètent, puisque visiblement tout. C'est qui le connard qui campe dans la cale là? Ah oui. Qui sert à rien. C'est un de tes meilleurs amis. J'ai pas d'amis. Ok, je le retiens. Mais t'es encore là toi? L'autre il me dit ouais, j'arrive me mettre dans la cale parce que je vais manger. Puis en fait il est dans la cale, il est encore là là. En train de rouler ses clopes là. Il va nous faire croire qu'il va manger. Il mange des cigarettes. Il mange des clopes. Ça se mange plus vite. Donc comme ça, je ne suis pas ton ami. Je n'ai aucun ami. Ah, les vrais amis, ça vient à ton anniversaire, ça t'offre des bouteilles de rhum, mec. C'est une définition très stricte de l'amitié. Très très strict. Je n'ai rien besoin de dire parce que c'est ce que j'ai fait pour son anniversaire. Ah non. Ah non, désolé. Désolé. Si t'as bien écouté ce que j'ai dit, tu l'as pas fait. Vous voulez créer un drama sur YouTube, c'est bien ça. Bien sûr. Vas-y, ça fait des vues. Continue, vas-y. Alors je peux rien récupérer de ce qu'il y a sur le quai parce qu'il y a des hitbox magiques de l'invisible. Donc en fait, toutes les hitbox de coffre sont vraiment cachées derrière des hitbox invisibles. Je peux rien choper. Genre là, dans l'angle creux, je peux rien attraper. Non, si celui-là, je peux l'attraper, il était pas dans l'angle creux. Je voulais me pécho, mais bon, quand même. Bon, c'est déjà fait. Hein. Voilà. Je le souhaite. Voilà. Merci. Et il l'a même pas posé, qu'elle a déjà disparu. Je crois que c'est tout. Je sais pas. Je vais faire un petit tour. Parce que ça me ferait du mal de rater. Et du coup là il faudrait qu'on aille dans une autre région pour faire des forteresses. Bah yes. Go. On attend juste que par Zideco on vend tout. Et puis voilà. Ah parce que tu crois que j'aime déco comme ça toi? Ah bah tiens, il est encore là le lâche qui se cache dans la cale.
et qui n'offre pas des bouteilles de rhum. Comme si une c'était suffisante. Il est fou lui. Mais je suis désolé pour toi, mais ton information est erronée. Comment cela? Je ne suis pas dans la cale. Ah. C'est drôle, on parle de cale, il mange, donc ça veut dire qu'il a faim, et du coup voilà. Alors l'humour. S'amuse, putain. Blague ultra cool. Alors je précise à YouTube que c'est toujours chez moi si jamais. Hop là. De quoi? Non, parce que ça fait des bibis Discord et je sais pour regarder un stream de. À regarder des rediffs de stream de JDRisation de la loi du marché. Que c'est infect quand t'entends un mec recevoir en boucle des notifs Discord et que tu te dis mais attends, c'est chez moi là? Ah oui. Et en fait, non, pas du tout. C'est chez l'autre. Donc je préfère prévenir, tu vois. Un mec sympa. Ah, avec les gens que je connais pas. Avec vous par contre. Je vous connais trop bien. Je sais que comme tout être humain, vous ne méritez pas la vie. Mais bon. Et quoi? Et... Hein? Tu dis de la merde encore. C'est la pire race de l'humanité. Voilà. Bah, techniquement, c'est pas ce qu'on appelle des races, mais. Ouf. Attends, il y a de nouveaux feux. C'est pas ce que disait Racine. L'humain est une race. Non, c'est une espèce, l'espèce humaine. Je sais pas. C'est une race quand même. Une espèce de macaque surtout, ouais. Je sais pas trop où qu'on va. Qu'est-ce que vous pensez d'aller vers Plunder Valley? Vers l'avant-poste plein d'air. Comme ça, on bicrave tout ce qu'on a. Tant qu'on y est. C'est beau. Oh, mais juste une. Ah oui. Je pensais qu'il allait m'aider. Je suis pauvre. Merci Pardy, t'es vraiment un ami. Qui arrête de manger pour venir m'aider alors que Arthur m'a fait le cake. Merci Pardy, t'es vraiment la moitié d'un ami puisque tu tombes pas la voile. Regardez, j'ai mis un petit cochon sur votre gauche. Si c'est pas ça être un ami, vous me le direz, vous m'en direz des nouvelles. Si c'est pas ça être un ami. Ouais, mais je fais de bons petits plats. C'est pas ça être un ami. Même si c'est pas faux. Il y a du loot à bâbord qu'on peut pas récupérer parce qu'il y a personne pour regarder. Du coup, trop tard, on est passé. Et je suis même pas sûr d'aller vers avant-poste plein d'air en fait. Je vais bien vers plein d'air. Je vais pas du tout vers plein d'air. Plein d'air, c'est à droite. C'est beau. En fait, je vais vers juste un caillou là. C'est ce caillou là-bas où je vais aller. Waouh, voilà. C'est beau. Ah non, après c'est les boules de canon. Tant pis. C'est pas bon. Mal. Il reste des feux d'artifice. Oui, plein de feux d'artifice. YouTube aime les feux d'artifice. Il me l'a dit. Ils aiment les vidéos cutées, montées et ultra rapides avec, avec des gens trop beaux qui les présentent. Sur votre droite, vous allez voir un petit cochon. Cochon. Sur votre droite, vous allez voir un truc bizarre mais qui va être trop beau. Wouhou. Vous allez voir plein de couleurs. Le blanc et rouge bien sûr, parce que la France. Bon, ok, il y a du jaune aussi. Mais. Ouais, ok, le rouge c'est plus du rose. Mais ça va. Wouhou! Ça c'est trop stylé comme. Non, c'est pas stylé?
C'est un petit serpent, t'as vu là? Putain, je rame, c'est mal la taille du serpent. Ça fait comme si c'était des projectiles. Waouh, c'est trop bien. Je crois qu'on est passé un peu trop vite devant l'avant-poste. Non, c'est parfait. Hein. Tu parles. Non, c'est parfait. Arthur, t'as pile la place pour y aller. On dit, ah bah, c'est enculé. Hein. Y'a rien à foutre. YouTube te regarde. Avec beaucoup de passion. Bah écoute. Ça me changera de toi. Ah, tu vas quand même d'avouer à YouTube que tu aimes beaucoup que je te regarde avec passion. Non, j'ai juste dit que tu me regardais justement avec aucune passion. Parce que t'as dit. Je te dis que ça me changera de toi. C'est tout. Je note que t'as besoin de renouveau, Arthur. Donc te suffit plus, c'est ça? De quoi? Ouais, bien sûr, hein. De quoi? Moi aussi je peux faire le sourd. Hein. Tu me dégoûtes. Oui, toi aussi. Du coup, je t'aime. Ah. J'ai le droit d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Hein. Je rappelle que je suis quelqu'un qui aime bien les orques. Qui déteste les elfes. Donc tu me dégoûtes, donc je t'aime, c'est normal. C'est logique, c'est cohérent. Attends, on a une coque de navire qui ressemble vraiment plus à rien. Oh, une catastrophe. Pouf, là-dedans. Pouf, par là. Pouf, pouf. Pouf, 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 pif, paf, pouf, pif, paf, poulak, balle. Ah, deux balles. Oh, beaucoup trop de trucs. C'est parti. Le nouveau cuisson. C'est pour YouTube. On est arrivé. Ah, on a une caisse en bois. Enfin, une caisse de bois, pardon. Ah oui, c'est une caisse en bois, mais... Tu veux dire que c'est une caisse en bois faite pour accueillir du bois? Oui. J'avais compris. Je sais pas, c'est du gratos, donc je suis content. On m'a dit bonjour. Moi, bah t'as plus qu'à la récup. Une da pocket. Voilà. Comme ça, ça fait de l'argent gratos. La remplir avec presque pas de bois qu'on possède. C'est vrai qu'on a un peu short sur le bois. C'est un peu chaud, hein? Ouais. On pourrait rapprocher le navire, s'il vous plaît. Bah. À qui tu parles? Je l'avais rapproché, mais je... Comment dire? Il s'est éloigné. Ah, je peux pas faire ça, mec. Je peux pas faire ça. C'est un peu comme si tu m'avais aidé au moment où on arrivait plutôt que de tirer des feux d'artifice, quoi. Du coup, je peux pas faire ça. Écoute. C'est pas grave. On peut compter sur d'autres personnes. L'épice.
Ah oui, quand même, on l'avait vendu 2000 la dernière fois. Normalement que ce soit le coffre. Ou peut-être que je me fourvoie. Pour la caisse de boulet. La caisse de poulet. Le boulet, le boulet de canon. Ah oui, vas-y. Hein. Tu peux tout vendre. Comme hein. La caisse de planche. Hein. T'inquiète, on a du stock. Hein. Figure-toi qu'avec la forteresse pillée à grands coups de caisse. Ça fait plaisir ça. Ah, ça a bien surrempli les stocks. Hein. C'est pas mal. Hein. Surtout en boulet de canon, c'est pas mal du tout. On a pris quelque chose comme non pas 100 mais 150 boulets de canon. Allez, c'était pas mal. On a peut-être pris que 100, j'avais peut-être oublié. J'ai peut-être oublié un baril. Oui, c'est dommage. Chasseur de crâne niveau 3. Chasseur de crâne. T'as un crâne. Eh bien, félicitations. Donc là, faudrait qu'on aille à Mercerie N. Je sais pas c'est où, mais moi je te crois. Hein. Pourquoi tu voudrais y aller? C'est pour quoi? C'est pour la quête? Bah ouais. Y'a un fort là-bas? Bah ouais. Bah vas-y, t'as pas un petit si poste sur la route? Ah, je pense que ouais. Au cas où. Hein. C'est pas grave, c'est pas encore attendre, mais. Là en gros, on va traverser toute la carte, on va passer par Croc Solo. Excellent. Non, je crois pas qu'il y en ait un. De 6 postes. Oui, monsieur. Tu passes par Crook Solo et tu trouves pas de 6 postes. Tu veux que je te soulève comment? Ça s'appelle Stephen Spoil. Voilà, je t'ai dézoomé la carte, t'as plus qu'à naviguer. Ça me fait plaisir. En plus, tu le sais, hein, la dernière fois, on s'amusait à faire des allers-retours entre Crook Solo, Snake Island et l'avant-poste plein d'air. Et donc, à chaque fois, on passait à Stephen Spoil pour vendre des poissons, rappelle-toi. Ouais, qu'on était entouré de gens, que ça avait, l'ambiance avait l'air un peu oppressante. J'ai dit, ouais, mais de toute façon, la moindre marchandise vaut mieux la vendre, au moins comme ça t'es tranquille quand tu te fais péter. Mm-hmm. Les mecs ils te coulent un bateau vide et tu fais pas bravo, t'as juste perdu ton temps, GG. Donc là faut que j'aille où? Nord-est normalement, si je te dis pas de bêtises. Alors si tu fais tout le tour de l'île, ce sera quasiment full nord. Une pointe est. Okay. Enfin, tu verras quand t'auras fait le tour de l'île, t'auras justement en nord-est, t'auras un tout petit îlot, et bah c'est au nord de celle-là. Donc c'est nord-nord-est quoi. Grosso modo. Je sais pas si c'est clair pour toi ou pas. Ah oh, ouais.
il y a un bateau qui se déplace. On peut le voir, il va ramener quelque chose au... Ouais, ouais, bah tant mieux. Oui, il a ramassé le coffre de... Le coffre Jonas. Ouais. Pêcher. Je vais me mettre sur la pêche. Est-ce que quelqu'un peut finir la cuisson du dernier truc qui reste, non? Ah, désolé, moi je suis en mode roulage, là. Ouais, ouais, pas de soucis. La même, en fait. D'ailleurs. Hop. Parce que du coup, je crois aussi que je vais me mettre un peu à la pêche. Ah, dans ce cas-là, préviens-moi parce que non, j'ai encore... Non, bah attends, tout. Attends, vas-y, tu roules plus vite que moi. Parce que t'as moins de choses à mettre dedans. Ouais, mais j'ai déjà un poisson, donc... Mais ça veut juste te dire que la prochaine fois, je te... Enfin, faut... Avant de remettre mon... De rejeter mon... ma ligne, il hein, faut que je te file du matos. Y'a quelqu'un à la barre là ou pas? Non. J'étais en train de regarder la cuisson. Parce que là, stop, y'a des. Putain. Ça a tapé, c'est ça? Non, non. Trop tard, les barils ils sont trop loin, c'est ça? Bon, on y va à la choupe, c'est bon. Oh, ça me laisse le temps de pêcher, hein, ça me va. Hein. Est-ce que quelqu'un veut des appâts avant que je relance? Non, non, vas-y, moi je suis parti chercher ce qu'il y avait, ce que je vois briller là. Ok, eh bien je relance. Ok, j'ai un crâne. Et une caisse de thé. Caisse de thé. Y'a même pas de poisson dedans. Tu les as remontés le crâne et le... Bah ils sont où? Ah ils sont là. Ouais, ça côté du Nil ou quoi là? Pourquoi? Parce que il arrête pas de m'envoyer des queues éclaboussantes indigo encore. Il a pas forcément dit la proximité. J'aimerais bien qu'il m'envoie ce qui me concerne quoi. Qu'il arrête de m'envoyer des merdes. Voilà, encore une queue éclaboussante de merde. Pourquoi il m'envoie que ça là? Mais est-ce que t'as le bon appât? Ah oui, le bon appât, ouais. On est à côté de Snake Island, on est en plein dans les. Dans les anciennes îles, donc normalement on pêche de l'ancienne écaille. À la sangsue. Exactement. Que Arthur ensoleillé, oui. Ça fait la quatrième ou la cinquième qui m'envoie là. Qu'est-ce qu'il y a? Et où tu fais quoi? T'es avec qui? Là actuellement. Bah ouais. Et là, je suis chez moi, sur mon... Non, mais sur le bateau. Ah. T'as dit IRL, elle me regarde pas, à gauche, tu vois, c'est... Bah, pourtant, je pourrais te regarder des heures. Ouais, c'est à bâbord, là. Ok. En sachant que je pêche à bâbord. J'espère que t'as pris ça en compte. Et que t'es pas juste en train de tourner comme un bon européen qui roule à droite.
Mais putain, mais vraiment. Hein. Écoute, ah, allez, tu je vais mettre de l'autre côté. Hein. Je vais mettre de l'autre côté. Hein. Ça, tu peux tourner comme un bon européen qui roule à droite. C'est bon, adresse. Il suffisait de pêcher à droite. Bah non, t'aurais dû rester à gauche. Non, mais à gauche, il ne m'a envoyé que des queues éclaboussantes. Que ça, 5, 6 d'affilée, et là... Première pêche à droite, il m'envoie ce que je cherche, quoi. Ah, mais du coup, il ne contrebraque pas, c'est ça? C'est-à-dire que c'est à moi de me démerder de remonter ça très très vite. Tu vas pas contrebraquer du tout, c'est ça? Tu vas me laisser dans la sauce. Ah, là, qui tu vois le poisson? Au con qui pose la question, comme toujours. Ouais. Oh, ça change en fait. Mais bon, je l'ai. De rien, c'est gratuit. Merci. Est-ce que j'ai réussi à atteindre 1 million? Est-ce que je vais réussir à atteindre 15 millions? Donc celui qui veut prendre la barre, je lui laisse vite fait. Moi j'ai pas encore fait ma clope. Il a fini de cuire son poisson. Et voilà. Fait qu'on attend ici la tempête ou quoi? Bah on n'aura plus rien pour pêcher dans la tempête hein. Donc moi je propose de se tirer. Ouais, mais là du coup faut que j'aille par où? Parce que vous êtes marrant, vous êtes tous les deux en train de pêcher mais Il faut que tu ailles, je crois, nord-est, si je te dis pas de bêtises. Est, nord-est. On est relativement à côté. Let's go. Est, nord-est. Ok. Ouais. Ça me le décrochait. Excellent. Du coup, je vais me taper une merde. Je descends les voiles du devant. Mmh.
Est-ce que moi aussi je vais me mettre à péquer là? Donc je vais remonter la voile de derrière aussi un tchouchoui. On s'est tiré dessus. Par Snake Island. Et ça même peut-être faire boum. Ah oui, effectivement, ça fait boum. Je pensais avoir le temps de tourner, mais je me suis fait embarquer par le... Ça va comme ça la direction ou pas? Je peux pas te répondre. Je pense. Je vais te dire, attends. On est un tout petit peu plus sur l'est. Je vais faire un bon nord-ouest aussi. Je trompe à gauche. S'il est vénère et qu'il tire à fond vers la coque, tu vas péter ta ligne contre la barre. Contre la rambarde. Je pense. Ouais. Si tu peux la péter contre des canons, contre une lanterne, tu peux la péter contre plein de trucs. Le moindre obstacle à la con te pète ta ligne. Hop là. C'est un peu nerveux ça, j'en connais. Je vais mettre à pêcher à droite parce que décidément à gauche il n'y a que des queues éclaboussantes visiblement. Ça tout court visiblement, et vu qu'on arrive vers la suite, bon bah je range les appâts. Si jamais ça intéresse quelqu'un, il reste un appât. Ça marche. Bah du coup qui reprend la barre là? Moi je vais me chercher de l'eau. Vas-y, je la prends. J'arrive. À tribord. Bon, tant pis. Mmh. Pardon. Il y avait du loot à tribord. J'ai pas fait gaffe, j'étais sur ma ligne, désolé. On est en train de se faire bouletter, il y a personne aux manettes. Ça va faire boum. Ah oui, mais c'est parce que je t'entends monter une voile. C'est parfait. Presque parfait. Un petit peu trop d'inertie. Ah, oh, l'inertie elle est bonne là. Qu'on appelle un abordage. Ah, on est du mauvais côté. Bah, faut tourner à tribord. Ouais, sinon, je vais ouvrir la grille, comme ça on peut venir en choucoupe. C'est pas plus mal d'ailleurs de rentrer en choucoupe. Et en vrai, on trouve des coffres boîtes à foison. Hein. Mais il y en a toujours. Ouais, tant mieux parce qu'on les remplit tout le temps. Il y en a toujours un dans les.
dans les forts, Thomas. Oui, on va pouvoir le rouvrir. Attention derrière toi. Bonsoir. Bonsoir, Tonton. Je veux dire bonsoir à ton fils. Bonsoir. Ah. Oui, pardon, ceci est un baril explosif, faites gaffe. Je l'ai posé à côté du bateau, donc évitez de vous approcher en combat du bateau. C'est à ce moment-là que je vais me battre et tirer bizarrement à côté du bateau. Mais c'est bizarre. Ce sera pas fait exprès pour lui. Sûrement une mauvaise idée. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un succès, il suffit de dormir dans les couchettes. Oh. Clé de la réserve. Hop. Je sais pas si vous avez fait le succès des couchettes. Non. Bah, je suis dedans. J'ai rien gagné. Moi aussi. Non, il faut qu'on dorme tous, mais à la fin de la vague. Ah. On dormira. Fais attention, j'ai encore laissé traîner un baril de poudre. Alors, je vais manière pas très sécure, attendez, je le bouge. Quelques coffres et une émeraude. Ah la cool. On est où là? On est par là. Ok. Et je bien m'arrête. Sûr, pour le plus grand plaisir de ton tube. Ah. Des feux d'artifice. On aime les feux d'artifice. YouTube adore. Ah, c'est un boss cette merde. Pardon, sur Elden Ring, je suis en train de saler. Hein. Ah mais logique. Hein. De toute façon, mais, j'ai mais vu ton message, ton tube s'envoie les couilles. C'est bon. Ouais, il m'a envoyé un message en tonnant. Il m'a fait OK point. Ah, je me suis fait balayer par le cavalier crépusculaire. Ah oui. J'ai aucune idée. Je lui fais pas de dégâts. Je sais pas comment lui faire le tuer. Faut se battre à cheval. Ouais, ouais, c'est ce que je faisais, il me touchot. Ouais, faut esquiver. Après, c'est les Dark Souls, hein, c'est... Ouais, ouais, non, mais j'ai cru remarquer, mais il y a des spawns. Je crois, je vois pas. En fait, ouais, parce que Skull, c'est la nuit, hein. Tant mieux, je suis content de pas le revoir. En même temps, il était tout noir. Non mais vraiment, ce jeu c'est comme une forteresse dans le sud de la carte. Du coup je me dis, on me dit vas-y, c'est une zone pour le début du jeu. Du coup j'y vais, je passe le sommet d'une crête, je me prends une flèche qui fait 4 fois la taille de mon personnage dans la bouche, je me fais one shot. J'étais, ah d'accord. Les flèches de géant. Non vraiment. Et vraiment tu sais, je me mets au sommet de la crête, je regarde ce qu'il y a parce que je vois qu'il y a des messages qui disent attention, danger droit devant. Oui. Du coup je m'arrête pour regarder ce qui se passe. Le mec il me tue, je le voyais on pas. On se fait tirer dessus par des joueurs. Ouais, on se fait défoncer, oui. On se fait tirer dessus par des joueurs à la con. Bah j'arrive.
Vous êtes sur quoi comme bateau? Brig. Brig. Ok. Encore ça va, on a pas tellement de choses mais bon. J'entends un truc qui me plaît pas. Je prends des grenades de feu. Sûrement mais quelqu'un qui me veut bien. Alors ça c'est le pont que j'ai jamais traversé. Heureusement que je suis mort hein. Attention, il nous tire dessus encore. Ouais, je vais vous laisser si vous êtes en train de tomber. Voilà, je vais faire mon arme passeur mais je viens de les faire exploser sur un navire. J'ai vu aussi accroché à leur échelle. Ils m'ont mis un petit coup de sable, ça fait boum. Terminé. Ça va le King of Gamer du 30? Bien t'as vu? Tu prends du sel? Est-ce que vous aimez manger salé? Ferme ta gueule! You like salt? Ah, il est français! Hola! Bonsoir! Okay, bonsoir! Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, ah, vous m'avez fumé, les gars! Vas-y. C'est des français, ce sont des connards. Mais ils sont tous les trois morts. Après un vie, c'était tous les trois sur le navire. Nice, salut. Je sais pas s'il va bien leur bateau maintenant. Non, il va pas bien, il a coulé, monsieur. Ah, oh. C'est dommage pour eux, hein. Il a bu la tasse et moi je suis prêt à récupérer ce qui. Oh, ils ont du loot. Oh putain. Oh, ils ont du loot. Ah bah, je vous conseille de prendre une barquette parce que je pense que doit y avoir pas mal de merdiers. Je vais continuer à taper les skeux. C'est eux qui ont la prime de la mort. Fais gaffe, y a un quinquin. Ouais, t'inquiète, je vais le faire le quinquin. Ah bah, il a envie de manger l'ouverture. Voilà. Bon, je vais aller chercher la braguette. Ouais, vas-y, pendant que moi je regarde vite fait ce qu'ils ont. Bah, ils ont la prime d'or, je sais pas si on la prend. Bah si on la prend, ils vont nous repérer. Mais bon après, on est là, hein. J'ai envie de te dire. C'est pas ce que je cherche, c'est ça que je cherche. Ok, je lance la vague suivante. Visiblement. Bon, c'est de la bonne défense. Par contre, la feu. Ah bah, ils ont voulu jouer. Ah bah, je leur ai fait une mauvaise surprise, hein. Ouais, surtout. Bah, tu sais quoi, Knarfang, je l'ai fait la même tout à l'heure à dégâts. Ils nous ont mis. Heureusement que j'étais à bord pour réparer. Bien vu. Rien. Ils nous avaient fait genre 3 gros trous. Hop, du quinquin. Ça y est, le capitaine est là. Hein. Et je vais me faire fumax. Du coup, est-ce qu'on prend la prime de la mort ou pas? Oui, vas-y, prends tout. De toute façon, ils savent où on est. Hein. Donc ils viendront. Hein. Par contre, je vous conseille aussi de vous gaver d'obus magiques qu'il y a sur le bateau. Hein, de ne rien laisser comme d'habitude dans les barils. Maintenant qu'on va se faire traquer jusqu'à l'autre bout du monde. Par contre, la prime de la mort, je crois qu'il faut la ramener à la faucheuse. Sur Reaper. Reaper Hideout, ouais. S'il y en a même un qui veut se tirer en barque, à la limite, pour les trolls. Comme ça, ils vont poursuivre une chaloupe comme des débilus. Ah, ça serait magnifique, en vrai. Bah sinon, au pire, on le charge tout. Le niveau de troll serait complet. Et puis, pendant qu'on navigue, on lâche la chaloupe avec le putain dedans. Bah non, tu lâches juste le butin, tu lâches pas la chaloupe avec. C'est vous le bateau au loin là? Ah non, y a un brick qui nous arrive dessus, pleine balle les gars. Ah ouais? Ouais, pleine balle, voyez-vous. Oh là. Barrez-vous un peu plus loin s'il faut, mais faites quelque chose les gars. J'hésite même à y aller, je vais reprendre un baril, écoute je vais y retourner. Je vais retourner avec un baril. Vas-y hein. Ouais mais bon, grouillez-vous parce qu'ils vont atteindre le bateau avant que j'arrive. Alors sloop. Sur le navire, leur brig. Et c'est eux qui nous foncent dessus hein, c'est sûr et certain. Avec le drapeau des vrais âmes.
Alors est-ce qu'on a le... Bof. Oh là ouais. Ah ils ont même remonté les voiles et tout frérot. Boum. Boum yach. Ça y est, je suis mort sur leur navire, mais alors ça fait boum hein. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Par contre je crois qu'il y en a aucun qui est mort, hein. Il y a que moi qui suis mort. Je vois que moi sur le bateau. Donc ils sont encore 3 les gars. Soyez vigilants. Non, mais c'est... Oh là ! Oh putain ! Hola ! Bah, ils nous ont fait la... Ah, rebonsoir ! Vas-y, Jacob frérot, Jacob. Vas-y. De toute façon, la chaloupe elle est à bord. Au pire, hop, on descend les voiles. Ah bah non, même pas. Attention, ça va faire boum ! Pourquoi ça va faire boum ? Bah, ils sont venus avec un baril derrière nous, enfin derrière moi. Bah c'est normal, on a plein de barils sur le quai. Hop, est-ce que je peux emprunter quelques planches? Merci. Je commence à réparer hein, si vous avez rien contre. Oui, oui, oui. Si vous n'y voyez pas d'objection. Je suis juste en train parce de que du coup, étendre le feu. Moi j'ai tout laissé dans la chaloupe. Hein. Ouais, ouais. Bah. N'hésitez pas à les grenades un peu. T'inquiète, je verrai pas, t'inquiète. Vas-y, BG Coop. Ah, je crois qu'on se fait tirer dessus, non? Ouais, attends, un petit peu. Faudrait aller. Ah, ils ont lâché la chaloupe, les bâtards! Comment ça, ils ont lâché la chaloupe? Comment ça? La chaloupe, elle est en train de couler! C'est pas grave, je m'en fous. Notre navire d'abord, les gars, il y a du loot dessus. Hein. Non, y a du loot le plus gros loot là est dans la chaloupe. Mais c'est leur loot, je m'en fous, c'est leur loot. Ouais, c'est vous qui avez jeté l'encre? C'est bah moi, non. C'est moi. C'est Kwisatz qui a lâché l'encre. Ça c'est leur loot en vrai, moi je m'en pète de leur loot. Hein. Je peux le prendre et se barrer. Si je peux me barrer avec un coffre de capitaine... Non mais je comprends, hein, mais... Ah, c'est plus qu'un coffre de capitaine, hein, le butin de la faucheuse. Hein. C'est plus, hein. C'est plus sur Canal+. Ils sont juste devant vous, là. Ils sont juste devant nous, mais je peux rien faire, là. Ah, je prends tous les boulets magiques. Enfin, tout ce que je peux, en tout cas. Je peux pas en prendre beaucoup plus. Vas-y, j'arrive, je suis loin, mais j'arrive. Merde. Je serai pas, mais il va falloir faire quelque chose. Hein. Soit les soulever, soit aller chercher un baril, faire ce que vous voulez, mais il va falloir faire quelque chose parce qu'on prend un peu cher là. Ah, je suis dessus. Bon, après, en termes de ressources, mon avis, on leur roule dessus. Hein. Je te cache pas que. Oui, mais là, on a plus de. Ah, ils ont remis les voiles, ils me passent dessus. Non. J'ai besoin d'aide pour redresser le mât. Ouais, bah, je suis loin, frérot, je suis à tribord. Non, j'ai aucune demande. Par contre, on est en train de se transformer en passeport, hein, vraiment. Faut aller filer un coup de main, les gars. Faut écoper. Ouais, bah, vas-y, va écoper, Arthur, j'arrive. Écope, on va couler. J'écope. Écoper en boucle. On va couler sinon. Et je crois que j'ai plus de bois. Ah putain, j'ai plus de bois. Oh, en plus ils sont dans le creux de la vague. Fais chier la bite. Putain, je peux pas réparer. Et je suis mort. Je suis mort sur le pont et y'a plus personne pour réparer. Ils sont bien si, en train si, de si, faire si, si, moi je répare, moi je répare. Bah on va... Oui mais là on est gratos hein, les gars. Là on est ultra gratos parce que... Et là à n'importe quel moment y'a un mec qui monte sur notre navire, on est gratuit, on est en train de réparer comme des sourds, ils nous ont coulé. Là ils ont win. Là ils ont win. Oh, on a un peu de répit. Voilà. Vas-y répare. Je suis en train de décoper là. Comme un petit fou. Ah mais il faut qu'on arrive à sortir une voile au moins pour se barrer parce que oui, sinon on c'est on pas a possible. On a plus de mort. Ouais c'est ça, on a plus rien.
Ils sont là. Ok, je les ai envoyés dormir. Vas-y, je répare, mais il faut écoper. Ah, quelqu'un m'a tué, il y a quelqu'un sur le navire. Quelqu'un sur le navire, oui, je sais, il est derrière moi. Ugly bitch as fuck! Ah, moi aussi, je suis mort. Oh bah, ils nous ont coulé. Ouais. Là, non, le seul truc qui reste à faire, ce qui serait bien, c'est que Pardy, vu que t'es un nerveux, toi, t'as, il est tabassé sur leur bateau, parce que le nôtre, il est perdu. Arthur, tu le ramènes, et si jamais moi j'ai le temps de pop avant qu'il soit complètement coulé, je vais aller leur sécuriser une petite blague de baril. Non, mais il a coulé le navire, je crois. Via la vitesse à laquelle ça charge, ça a l'air que oui. Je sais pas où vous en étiez dans la répa, mais... Bah moi répa, j'étais en train de réparer, je me suis fait tuer quand je réparais donc. Ouais, du coup ils vont, ma phase de chargement est extrêmement longue. Ouais. Vous avez été aveuglé par le loot ennemi, on s'est fait soulever. Bon par contre ce qui est dégueulasse aussi c'est qu'on nous a fait apparaître ils les ont fait apparaître ultra proches. À mort. Et les mecs étaient full boulet là hein, dans le plus grand des calmes hein. Nous on est dans le Devil. Ah est-ce qu'on est vraiment très loin? Je pense pas hein. On est pas très loin là. Par contre, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé tous leurs boulets de canon hein, pour nous tirer comme ça. Salut Nema. Dis bonsoir à YouTube. Salut. Salut YouTube. Il y a tout le monde qui dit bonsoir à YouTube aujourd'hui. C'est l'événement du jour. Comment ça va les affreux? Ça roule. On fait quoi? On retourne à la forteresse ou on l'abandonne? Bah y'a pas le choix mec, ils sont en train de nous prendre notre capitaine et tout, nous on est en train de faire notre quête, on est obligé d'y retourner. Bah c'est go nord là. Bah ouais, let's go. Ouais excuse-toi, je pouvais pas, j'avais un rendez-vous médical. Non je m'excuserai pas sombre merde. Plein nord les oui. Gars. Oui. Juste qu'il y avait des îlots. Alors, je suis pas sombre, ok? Calme-toi. Si. Tu es blond. Mais sombre. J'ai pas les cheveux blancs. Voilà. Non. T'as déjà vu un noir sombre? Je répondrai pas. Je ne répondrai pas à ta bêtise de paysan breton. Calme-toi, le plus beau pays du monde. Non, ça c'est la France. Cet amalgame, je crois. Qu'est-ce qu'on a pour les faire chier? Boulet d'affalage, boulet dépouilleur. Hop. Avec boulet d'affalage. Boulet de ça par là. Boulet de ça par là. Et boulet de ça par là. Voilà. Les surprises m'ont l'air complètes. Ouais, on a que des bananes du coup. Oh la tristesse. Non, mais après, on va avoir du poisson. Juste savoir, vous allez être dessus toute la soirée ou pas? Je sais pas. Je pense pas. Là, il nous reste quoi? Un ou deux forts à faire? C'était le dernier. C'était le dernier? Sérieux? Ouais. On est vraiment là en termes de chance? Bah ouais. Bah super, il nous manque plus qu'un Kraken pour bien faire. Allez, vas-y, porte pas la poisse, frère. On va trop tard, hein. On a eu nos petits cons. Par contre, non, ouais, ils nous ont mis carrément plus loin qu'eux. Hein. Eux, ils sont arrivés vite, quoi. Ils sont arrivés si vite, en fait, je m'aperçois. En fait, c'est quoi? Je crois qu'ils ont acheté des... Ils ont acheté 3 caisses de boulets de canon. Ouais, mais ils ont pop... Où? Tu veux dire qu'ils ont pop juste à côté, quoi? Ils ont pop à l'avant-poste le plus proche, ça veut dire? Full nord, on les voit, là, ils se font le... Bah ils ont dû atterrir que... Bah, ah et bah ils étaient anciennes spire. Ouais c'est ça, ils étaient anciennes spire. Du coup ouais, ils ont pu acheter des trucs et nous venir direct dans la bouche. Bah tiens regarde, on les voit. On y arrive. Non, je suis en train de faire cœur de la bouffe là, arrêtez. Bah, il va falloir que tu te les mettes dans les poches mon gars parce qu'on va y arriver. Et en plus nous on a un bon vent de face, quel plaisir, putain.
Si tu veux, pour un truc tout à l'heure, tu m'envoies un petit message. Okay. Ouais, ça marche. Fais des bisous. Ça marche. Des bisous. On va y arriver. Si vous voulez passer en mode combat, il va falloir penser à rentrer la voile avant. Bah, je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors ils sont en train de bouger, donc basculez les voiles. Déjà, basculez. Parce qu'ils sont en train de bouger à gauche. Il faut qu'on bouge aussi. Tac, 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 tac. Qu'on reprenne le vent. Et vous me dites quand est-ce que vous avez pas d'angle, que vous en voulez un, machin, machin. Mais bon, ceux-là, étant donné qu'ils ont quand même une certaine valeur, ce serait quand même pas mal. Eh ben, toute voile avant, hein. Et oh, ils se barrent les mecs, là, il me faut la voile, hein. Oh, allô. Ou vous voulez qu'on fasse le fort, comme vous voulez. Allô. Allô, je suis tout seul sur le bateau, décrochez vos micros. Mais non, mais ça y est, la voile a été retirée. Mais tu réponds à la question que je viens de te poser. Allô. Quelle question? Vous voulez d'abord vérifier si on peut faire le fort, le capitaine, tout ça, la clé? Bah, ah mais non, parce qu'ils ont pris nos boîtes. Ils ont nos trois bordels. Ah ouais, donc on est obligé de les poursuivre, putain. Bah... Il y en a pas un qui veut se tirer, voir si jamais ils ont abandonné les boîtes, non, j'en sais rien. Vas-y, si tu veux, je le fais. Trop tard, on est parti trop loin, en fait. On est parti trop loin. Ah les gars, vous avez un délai de réflexion, c'est là tout. Il y aurait des camions en phase terminale. Va falloir ajuster la voile, hein. Faut ajuster la voile. Hein, ouais, faut la rentrer, ouais, c'est pas moi, là. Faut la ressortir, hop. Ils ont pas l'intention de nous piquer dessus. Et à mon avis, ils vont sur l'avant-poste. Avant-poste plein d'air, à mon avis. Si la voile te dérange, je peux la remonter. Vous confirmez l'avant-poste sur lequel ils vont et quelle est la direction de celui-ci? Regarde ça. Alors, là ils vont plein sud. Non, ils vont à Spire, Ancien Spire. Ancien Spire. Là donc, en face il y a des briquettes. Il faut. Il y a Optrack devant. Des briquettes. Je vois R, c'est encore bon ou pas? Ouais, oui. C'est bon, tu peux redresser. Ajuster la voilure, hein. On a besoin du vent sinon on les rattrapera pas. Hein. Que eux ils ont pas ajusté leur voilure, donc nous si on ajuste la nôtre on peut les doubler, on peut les dépasser, hein. Donc ils peuvent pas aller sur Ancien Spire, ils partent donc sur avant-poste Plunder. Ils partent à tribord toutes là. Ouais, donc ajuster la voilure, ils vont sur Plunder. J'ajuste la voile avant, bon, ok. Je vais faire la voile arrière. Est-ce que je suis dans l'alignement de Plunder? Ah là, il continue de tourner en fait. Hein. Est-ce que je suis dans l'ajustement de Plunder? Pas tout à fait. C'est-à-dire un peu plus nord, un peu plus sud, un faudrait peu plus à l'ouest. Ouest, ok, d'accord. Ajustement des voiles tout le temps, les gars, tout le temps. Oui, mais c'est voile en permanence. Parce que là ils sont en train de nous lourder. Parce que nous vu qu'on est en chasse, il faut qu'on arrive à compenser le retard normalement qu'on a toujours sur leur voile. Voilà, là ils nous l'ont mis dans l'os. Hein. Ils ont l'air d'aller vers Reaper Hideout. Oh, ils ont pris un truc. Comment ça, ils ont pris un truc? Je crois qu'ils ont pris un caillou. Ils ont pris un caillou. Bah, je sais pas, j'ai vu le bateau cabré de ouf. Ah, c'est le vent.
on n'arrivera pas à les rattraper. J'ai pris tout le vent qu'on a pu prendre, mais à part les pourrir sur le prochain avant-poste où ils vont s'arrêter, sinon là. Sinon là, c'est cuit, hein. Et on n'a pas les munitions ni rien. Ouais. Décale-toi à tribord. Ouais, oh, ouais, je fais. Non, non, c'est les voiles full gauche et les voiles full gauche. Juste moi qui ai décalé pour esquiver le banc de sable. Hop, 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 on va rebraquer. Ah, ils vont à Plunder. J'aurais dû viser Plunder direct. S'ils ont mon boîte, ça veut dire qu'ils sont vraiment obligés d'aller à Sanctuary parce qu'ils peuvent les reforger nulle part ailleurs, c'est ça? Ouais. Putain, c'est chiant. Ça, même en les pourchassons, on a une chance. De quoi? Même en les pourchassons, on a une chance. Les voiles, les voiles. Les pourchassons. Pour les pourchasser, faudrait que je me mette sur leur flanc droit. En me disant qu'ils vont être obligés de cut à droite, quoi. Allez. C'est ça. Est-ce qu'ils ont pas ajusté leur voileur? Du coup, on les a rattrapés. Je pense, genre, il y a un mec genre, qui va descendre, tu vois. Ils vont faire une technique un peu comme ça. Je regarde à l'avant s'il se passe un truc. Oh ouais. À mon avis, il y a déjà un gars qui a sauté avec du loot. Donc il nous attend gentiment sur l'île où... Ça m'étonne qu'il y ait personne qui ait déjà sauté avec un baril. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de bonne. M'en occupe, m'en occupe. Il n'y a pas d'avant-poste par là où il nous emmène. Non. Donc là, ils vont forcément sur. S'ils veulent aller sur un avant-poste, ils sont obligés de tourner. Ou alors sur Paw Reaper Hideout. Ils font quoi là? Ils tournent à gauche? Je vois pas avec la voile. Ils tournent à gauche. Ok. Et là, en fait, tout droit, y'a rien. Donc s'ils tournent à. Tu veux qu'on mette l'ancre et qu'on tourne direct? Non, juste la voile les gars, tout le temps. La vitesse. Là, j'étais obligé de lâcher la barre, du coup j'ai pas pu tourner comme je voulais. De la voilure. Voilà. S'il y a un autre bateau droit devant là. C'est un quoi? Ah non, pardon, c'est une tour. Hop, ils avaient lâché les voiles. Ils ont remis les voiles. Ils ont tourné. Ils ont lâché les voiles. Ok, ils ont tourné. Le tourne. Je fous le braque. Faut me dire quand ils tournent, hein, les gars. J'ai la voile devant la gueule, je peux pas voir. Hein. Ouais, non, bah non, je m'en fous de ton encre. Je m'en fous de ton encre, putain. Je l'ai pas lâché. Tournez les voiles, bordel. J'ai pas de vent, j'ai pas de zef, j'ai rien. Vous cassez les couilles. Vous me pétez les rognons, secours. De la voilure tout le temps, de la vitesse, c'est de l'autre côté. Au secours. On s'en fout, voilà, et là tu peux lui tirer le fion. Vas-y, bah non, tirez leur fion tous les deux. J'ai pas l'angle. Tu vas l'avoir. Tirez leur le fion tous les deux. Ah, attends, je prends les boulets chenets. Allez. Voilà, tu l'as largement ton angle. Moi je vais passer entre les deux rochers, et puis voilà. C'est bon, y'a plus là, y'a plus d'angle, arrêtez de gaspiller le peu de munitions qu'on a. Putain, de la voile. Bordel à cul. Oh mon dieu, la mauvaise foi sur moi, quoi. Comment ça la mauvaise foi? J'ai été obligé de prendre dans les rochers pour vous donner de l'angle. C'est bon. Y'a pas de soucis, je vous ai donné de l'angle. Vous avez eu. Hop, 2-3 réparations de planches, full voile à l'avant, pourquoi j'ai pas full voile à l'avant? Bah si, t'as full voile à l'avant, qu'est-ce que tu me chantes? On est sous le vent là ou pas?
Le vent est face à nous. D'accord. Et eh ben on va rebraquer sur eux, donc le vent va dans l'autre sens. Tu tires dans le vide, on n'a pas de munitions. Mec, on a 30 boulets de canon. Hein. J'essaye de les avoir. On a 30 boulets de canon. Tu peux pas essayer de les avoir. C'est soit on les a, soit on les a pas. Tu choisis. Mais on n'a pas. Pardi, au lieu de te glander, faut tourner ta voile. Putain. Bon, bah ils ont tout gagné puisque maintenant ils vont plein nord. Ils vont sur Sanctuary. Vendre nos merdes, boucler leur quête à la con. Au lieu de nous la boucler à nous. Eh putain. Si on arrive à les harponner, ce sera. On vous aura pas. On n'est pas sous le vent. Je tourne pour couper à leur gauche. Je vais les forcer à tourner vers le centre tout le temps. On est sur le micro. Il y a un mec sur l'échelle, probablement. Sur l'autre échelle. Quand je suis là, tu regardes l'autre, espèce d'abruti. Vraiment. Ta gueule, dégage. Vraiment, je vais appuyer sur Alt F4. Hein. Je vais vous laisser dans la S. Hein. Vous utilisez pas trop de neurones. Les voiles, le vent, je suis pas sous le vent. Plus vite les mecs, je vous saoule. Ou quelqu'un prend la barre, je m'en fous, mais faut être au taquet. Enfin, vous voyez une sirène qui sort, elle est pas à nous. Vous la voyez pas, c'est que vous dormez. Je vais pas le savoir. Je suis pas sous le vent là, voilà l'arrière. Le vent. Mais là je peux pas là. Déconne. Ils vont essayer de passer dans le petit trou sur tribord là. Bah qui passe sur le petit trou à tribord. Tu sais comme t'as fait toi tout à l'heure. Ouais, sauf que moi je sais faire quoi. Moi j'ai tapé le premier parce que j'avais pas le bon angle et je suis passé entre les deux petits rochers. Oh ils ont tapé. Oh là là. Bah oui il a tapé. Non mais du coup ils font un 380. Ouais c'est ça qu'ils cherchent. Ok, ancre. Ancre. Remonter ancre. On s'en fout de ta merdouille. Remontez encre. Arrête de viser avec tes canons d'abruti là. Vraiment, ça me fatigue. On n'a pas la portée, on n'a pas la distance, on n'a rien de bon. On n'a pas les munitions, on n'a rien. On n'a rien du tout. C'est la death, c'est la death. Allez, la on continue à faire demi-tour. Allez, let's go. Eh ben, ils nous ont bien eu. Non, on fait demi-tour, ça change rien pour les voiles. Okay. Nous, on reprend la même tracé. En fait, ils nous ont trop tracé. Ouais, ils nous ont full tracé. Bah, GG à eux. J'aurais pas dû. Mauvaise décision de ma part, de leur m'engueuler. Et du maintenant, coup, ils retombent sur quoi? Sur Plunder toi, là? On t'engueule pas parce que ça arrive. Sur Plunder? Non, mauvaise lecture de jeu, normalement ils auraient pas dû me la faire. Bah, ils sont là-bas, hein, ils sont pas si loin que ça, hein, on les voit encore. Hein. Ils sont beaucoup trop loin. Ils vont sur Plunder là, c'est ça? C'est quoi ce truc devant? Ah non, c'est le truc en milieu de carte? C'est le truc en mid-carte ça, non? Ah, oh, attends. Ah bah je... La connexion serveur était perdue. Allez, au revoir YouTube, des bisous.